Bienvenue au Caire avec dans un instant Samuel Eto'o face à Didier Drogba. Alors première constatation, Pierre Lechantre, on va voir le Cameroun éliminé de la Coupe du Monde face au dernier mondialiste, puisque la Tunisie est tombée tout à l'heure au tir au but, l'équipe de Roger Lemaire. Il n'y a plus que la Côte d'Ivoire qui représente l'un des cinq mondialistes pour la future Coupe du Monde en Allemagne. Oui, en effet Rémi, je pense qu'on va quand même retrouver un Cameroun revanchard. Le Cameroun veut vraiment montrer sa réelle qualité, et dans les grands moments il a la capacité pour se surpasser. Je pense qu'on va avoir un super match. Le Cameroun veut montrer qu'il avait sa place en Coupe du Monde. On voit également si la Côte d'Ivoire par hasard est éliminée, qui va rester aucun pays, qu'Angola, Togo, Tunisie, ça va pas être facile pour eux dans 5 mois peut-être. Oui, et puis il faut se poser des questions, savoir au niveau de la préparation pour les matchs éliminatoires, de quelle façon les pays africains vont aborder ces éliminatoires, en sachant qu'ils ont peut-être fait preuve un peu de suffisance, et ce qui a mené le Cameroun à se retrouver dans cette situation. Alors, autre constatation, il n'y a plus qu'un seul mondialiste, la Côte d'Ivoire. On salue du reste, il y a une grosse communauté ivoirienne qui nous écoute du côté de Melun. Mais c'est également, après l'élimination de Roger Lemaire et des deux autres Français, Neveu et Claude Leroy hier, il n'y a plus qu'un seul Français, Henri Michel, qui peut passer à la trappe aujourd'hui, auquel cas il n'y aurait plus de technicien français. Vous qui avez entraîné en tant que Français l'équipe du Cameroun. Oui, c'est vrai, mais bon, il faut dire aussi que leur parcours a quand même été exceptionnel. Le parcours de Claude Leroy a été exceptionnel. Une CAN est difficile, les CAN sont de plus en plus difficiles, le niveau est de plus en plus relevé, il n'y a plus de petites équipes, et je pense que nos entraîneurs français ont quand même fait de très bonnes performances. On regarde la composition d'équipe camerounaise, donc avec Olembe qui débute. En effet, oui, Salomon Olembe qui va rentrer sur le côté gauche, en milieu de terrain côté gauche, et je pense que Ngom Komé va se décaler sur le côté droit puisque c'est un droitier, à la place de Douala je pense. Et puis de l'autre côté Pierre, on va voir que Bonaventure Kalou, le joueur du Paris Saint-Germain, ne débute pas. Là, voici cette équipe avec Jean-Jacques Tizier dans les cages, Drogba en capitaine bien évidemment, et puis il y a Faé qui prend la place de Yapi Yapo. Oui, c'est une composition en 4-3-3. Je pense que Henri Michel va mettre un milieu de terrain beaucoup plus fourni, beaucoup plus à base défensive avec Faez Okora et puis Yaya Touré. Oui. Maintenant, le rôle de Akalé va quand même être un rôle d'attaquant qui va venir certainement travailler beaucoup mieux de terrain. Henri Michel qui joue sa place en plus, hein. On l'a lu dans les médias bien évidemment, on le sait hein, quand on est sélectionneur et que cette CAN elle est placée comme ça à 5 mois de la Coupe du Monde, certains ne seront pas là, hein, ceux qui ont qualifié leur équipe pour la Coupe du Monde. C'est dur aussi quand on est entraîneur. Oui, c'est ce qui vaut peut-être un petit peu le mot méchant de Jean-Marc Guillou concernant Henri. Il lui met encore un peu plus de pression et c'est là où je trouve que c'est pas vraiment sympa. Arthur Georges qu'on vient d'apercevoir, Jérémy de dos avec Samuel Eto'o. De silence pour le tragique accident qui a eu lieu. Problème de ferry dans quelques instants. Le début de cette partie, l'arbitre c'est le Marocain monsieur Mohamed Ghezaz. Cameroun, Côte d'Ivoire, la plus belle affiche sur le papier de ces quarts de finale. C'est également le dernier quart de finale. On sait que l'Égypte en demi-finale va affronter le Sénégal. Le Nigeria est qualifié. Face à qui? Vous avez un favori. C'est pas parce que vous avez été sélectionneur du Cameroun, mais vous avez le sentiment, Pierre, que le Cameroun a un petit plus. Oui, et puis je n'ai pas honte de dire que j'ai laissé beaucoup d'amis au Cameroun, que le peuple camerounais est un peuple fabuleux, donc je garde un petit coin de mon cœur. C'est évident. Allez, c'est parti. Juste une précision, hein. Pour être sélectionneur français, si on veut gagner la Coupe d'Afrique, il faut avoir un patronyme qui commence par un le maire, le chantre ou le roi. Pour l'instant, les trois seuls. C'est vrai. C'est mal parti. Il aurait fallu qu'il s'appelle Henri Le Michel. Peut-être, oui. Allez, on va voir. En tout cas, dans 90 minutes ou plus, on l'a vu tout à l'heure avec cette première occasion, ce premier ballon. Pas laissé traîner des balles. C'était Ngom Kone qui avait ce ballon. On a vu les frappes de balles très très puissantes de Samuel Eto'o depuis le début de cette CAN. Akalé, l'Auxerrois, qui n'a pas débuté toutes les rencontres jusqu'à maintenant, qui va beaucoup monter sur son côté. Il a cherché Kone, Haruna Kone, qui est à la lutte
avec deux défenseurs qui réussit. Ah non, il a perdu le ballon finalement. Ouais, en fait, c'est bien ce que je pensais. Ngonkome va jouer pratiquement en situation de ailier côté droit. Et je pense que Jérémy Njita va prendre systématiquement le couloir dans son dos. Et Salomon Lembe va jouer de l'autre côté avec ses qualités d'accélération. Ngonkone qu'on aperçoit ici. Il est percuté son, mais même ses adversaires, parce qu'il est à la renverse le deuxième ensuite. Une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir aussi un match dans le match avec, avec le marquage de Biquet, qui est ce défenseur qui a remplacé Kala, qui a eu une grave blessure. Et je pense que ça va être un match dans le match, parce qu'il va avoir Ramona Kone à marquer en individuel, j'ai l'impression. Et Rigo Bersong risque de prendre en individuel Drogba. Le Nantais Faé, que l'on aperçoit ici, qui a donc pris dans ce match la place de Julia Biapo, un Ivoirien qui est tombé sur le dos. Espérant qu'il ne se soit pas fait mal. C'est Kwasi peut-être. Il faut remarquer qu'Henri Michel a opté pour un axe central avec Kouassi et Kolo. C'était le premier axe central qu'il avait choisi pour le premier match. Entre-temps, il a effectué des changements. Il a changé deux fois de suite d'axe central. Et je pense que c'est cet axe central qui lui donne le plus de satisfaction et qui a peut-être le plus d'expérience à son avis. Samuel Eto'o, 5 buts, meilleur buteur de cette CAN. Pas de système anti-Eto'o, a dit Henri Michel. Allez, un long ballon, on cherchait Didier Drogba. Alors, il y a une banderole dans les tribunes, qui est une triple banderole au niveau des inscriptions en fait. Samuel Eto'o ici a le ballon. Il y a marqué Cameroun, Côte d'Ivoire 3-0, Barça Chelsea 3-0. Et puis Eto'o Drogba 3-0. Dès maintenant, vous allez pouvoir constater, vous allez pouvoir calculer le nombre de balles qui vont être données par Makoun à Samuel Eto'o. Ils ont trouvé une complémentarité exceptionnelle et systématiquement, quand Makoun a le ballon, il lève la tête et il attend que Eto'o lui fasse un appel, soit en rupture, soit un appel dans les pieds. Et vous verrez qu'il y aura un travail entre ces deux joueurs qui sera très souvent. On voit qu'on discute beaucoup. Rappelons que vous avez eu Amidou Souleymanou, le gardien, sous vos ordres comme sélectionneur. Rigobert Song, vous avez eu Samuel Eto'o, Seydou, Olembe, Atouba, Daniel Komengom, Meyong, Benoît Angba. Donc une bonne partie de la sélection. Alors une première interruption. L'arbitre qui décompte le temps. Et on voit Jérémy qui va faire la remise en touche. Voilà, il avait fait sortir Samuel Eto'o. Oui, je pense qu'Eto'o avait le défenseur ivoirien avait voulu montrer dès le départ qu'il était présent dans son dos. Et ça, c'est le système classique d'intimidation. À la première balle que Samuel Eto'o a touchée, il a retrouvé les crampons ivoiriens dans les chevilles. Mais je ne pense pas que ça suffira pour calmer les ardeurs de Samuel. Quelques petits accrochages dans ce début de partie. Allez, Song qui a joué cette balle. Biquet, c'est le numéro 23, c'est lui qui remplace Raymond Kala. Et qu'il remplace bien du reste depuis la blessure de Kala. Il n'a pas commis de grosses erreurs pour l'instant. Oui, il faut savoir que Kala, c'est une montagne dans cette équipe du Cameroun. On le disait partant chaque année en disant qu'il commençait à vieillir. Et chaque année, il était là. Et chaque année, il faisait ses matchs. Parce que c'est un joueur exceptionnel en tant que défenseur. Et qu'il est capable de faire le geste défensif à la perfection. Il ne se complique pas la vie au niveau de la relance. Mais quand on est entraîneur, c'est un joueur très intéressant à avoir dans son équipe, dans l'axe central. Qui plus est, au niveau de son jeu de tête et au niveau de ses interventions au tacle. Il y avait un premier ballon de Jean Makoun qui n'est pas arrivé à destination. Ensuite, il y a eu Seydou et voici Salomon Olembe, l'ancien Nantais, l'ancien Marseillais qui joue maintenant au Qatar. Les fameuses accélérations de Salomon. Salomon est capable de faire des accélérations à tout moment. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'il soit en confiance. Kone qui a joué avec Didier Drogba. Crochet de Drogba et le contre n'a pas été favorable. Il demandait une faute de main, une chandelle dans la foulée. À
Alors on dit que pour l'instant cette équipe du Cameroun n'a pas de faiblesse, qu'en revanche le point faible des Ivoiriens c'est la défense. Alors Kakalé centre ici pour Didier Drogba, vous êtes d'accord avec cette analyse, Pierre Lechantre ? On attend pour voir. C'est vrai qu'on annonce la défense ivoirienne un petit peu lourde. C'est justement le bon moment pour se montrer à son meilleur niveau avec, contre cette attaque du Cameroun. Maintenant, on va voir exactement de quelle façon cette équipe camerounaise va aborder le match. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un léger doute au niveau de la défense. Rigobert Song et Biquet ont un petit peu de soucis avec ces deux attaquants qui jouent très proches l'un de l'autre. Akalé qui est passé, le centre d'Akalé, c'était pour Haruna Kone. On vient de voir aussi au moins trois chandelles, des ballons qui sont montés très haut. C'est étonnant de ne pas mettre la balle au sol comme ça. Oui, mais ça fait partie un petit peu du style africain. Il arrive des moments où on ne sait pas pourquoi les joueurs perdent un petit peu le fil et dégagent un petit peu n'importe où. Mais vous allez voir que les choses vont se stabiliser. Pour l'instant, il y a un petit coup de panique, comme je vous dis, dans les 18 mètres du Cameroun. Qui a eu du mal hein, là Rigobert Song, on tente l'exploit individuel du côté des Ivoiriens avec une bonne montée d'Emmanuel Eboué. Et là il y a une faute sous les yeux de l'arbitre malgré les protestations de Yaya Touré. La Côte d'Ivoire a bien engagé le match. Hein. Je trouve que c'est la force d'habitude du Cameroun de commencer le match à 100 à l'heure. Et là, pour l'instant, ce sont les Ivoiriens qui mettent leurs pattes et qui montrent leur supériorité dans tous les domaines. Alors, vous le savez, on peut gagner les chaussures dédicacées de Kaba Diawara. Enfin, c'est surtout vous, les spectateurs, qui pouvez les gagner, pas Pierre. Pour ça, il faut répondre à cette question après ce centre d'Akalé pour la tête de Didier Drogba. Vous pouvez répondre au 6-37-38. Dans quel club français a joué Rigobert Song ? Attention, parce qu'il a joué dans plusieurs clubs français. Dans quel club français a joué Rigobert Song entre 2002 et 2004 ? Envoyez Cannes 1 si vous pensez que c'était le Racing Club de Lens, Cannes 2 si vous pensez que c'était l'OM, et Cannes 3 si vous pensez que c'était le Paris Saint-Germain pour gagner les chaussures dédicacées de Kaba Diawara. Huit minutes de jeu, on a l'impression que le match n'est pas totalement lancé encore. Il n'est pas si mal lancé que ça pour les Ivoiriens qui posent pas mal de soucis. Pour l'instant, les Camerounais sont un peu dans les spectatives. J'ai l'impression, là, notamment par cette relance de Rigobert Song qui n'est pas du tout habitué à faire ce style de relance. J'ai l'impression qu'ils sont en train de chercher leur football et ils ont des difficultés. Alors Song, vous l'avez vu que, comme joueur, c'est quoi ses points forts ? Moi je l'appelais le guerrier, c'était le guerrier. C'est un joueur sur qui on peut compter quand il faut mettre la pression sur l'équipe adverse, quand sa propre équipe est en train de douter, il est toujours là pour remettre les choses au point. Et je me souviens d'anecdotes contre notamment la Libye où nous avions été reçus par des gens, des spectateurs qui étaient un petit peu fiévreux, et plus les gens nous envoyaient des cailloux sur le vestiaire, plus Rigo montait en puissance et ça nous a permis de gagner 3-0. C'était juste une anecdote. Bah le voilà justement, il voudrait bien gagner 3-0 aujourd'hui le capitaine Camerounais. C'est vrai qu'ils sont un petit peu empruntés dans ces 9 premières minutes. Les Ivoiriens ont mieux débuté la partie. Est-ce qu'il y a un petit peu de pression de cette équipe qui, n'oublions pas, est éliminée de la Coupe du Monde, même s'il a battu deux fois la Côte d'Ivoire, qui ne voudrait pas surtout décevoir au pays, rater sa CAN. Hein. Être éliminé par la Côte d'Ivoire une deuxième fois, ça serait dur hein, pour les Camerounais. Oui, c'est bizarre. On a l'impression que la pression est plutôt du côté du Cameroun. Mais c'est vrai que le peuple camerounais attend beaucoup de cette CAN parce qu'il a été très déçu de cette non-qualification pour la Coupe du Monde. Donc les Camerounais savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de rentrer au pays sans cette CAN. Donc c'est peut-être un problème pour eux pour rentrer dans ce match jusqu'à présent. On voit le centre de Jean Macoun, le Lillois. Et le gardien qui fait une petite erreur, lui qui a été excellent pour l'instant dans cette CAN. Jean-Jacques Tizier, Didier Drogba de la tête. Eh non, il n'est pas passé une seule fois encore pour l'instant Drogba, mais ça va venir. Allez, les Camerounais avec non, Achille Ouébo hors jeu. Oui, c'est sûr. Alors Achille Ouébo, grand bonhomme hein, du match face à la Côte d'Ivoire. Il avait marqué les 3 buts. Il y avait eu 2 buts de Drogba, mais 3 buts d'Achille Ouébo. Ce jour-là, la star, c'était pas Samuel Eto'o, c'était lui, hein, c'était Ouébo. Le principe du Cameroun, c'est de trouver un duo offensif de qualité. Bon, il y a eu le fameux duo Mboma-Eto'o, qui était un duo qui jouait à la perfection parce que Mboma percutait et Eto'o jouait autour de lui. Là, je pense qu'ils ont réussi à retrouver avec Ouébo cette possibilité-là. Et Song qui tombe. Alors, pour l'instant, 5 buts pour l'un, Eto'o Fils. Et si c'était le jour de Ouébo aujourd'hui à nouveau ?
Parce que c'est vrai que pour l'instant, on l'a beaucoup moins vu. Pourquoi pas, même si je pense que Samuel va se réveiller. Vous pouvez pas imaginer, je ne peux pas imaginer que Samuel ne fasse pas un grand match dans des circonstances comme celle-là. Il est tellement capable. Regardez, de se défend, là. Le centre. Et les Camerounais qui vont pouvoir se dégager avec Olembe, avec Jean Makoun. Milieu de 2-3 Ivoiriens. A réussi à remettre derrière néanmoins pour Rigobert Song. Toute l'expérience de la Champions League hein, cette année, notamment avec Lille de Claude Puel pour Jean Makoun. Ses matchs face à Manchester, face à Villarreal, face au Benfica Lisbonne. Makoun, c'est un élément important de l'équipe camerounaise. À partir du moment où maintenant il a une grosse expérience, on regrettait l'absence de Mbami, on a regretté bien sûr l'absence du regretté Marco Fouet. Mais Makoun est en train d'amener son expérience, sa qualité de régulateur au niveau du milieu de terrain. Et avec Seydou qui lui défend beaucoup plus, ça donne pas mal de liberté à Makoun pour enchaîner les actions et pour pouvoir aller de l'avant. Jérémy qui a mis cette balle en retrait. Ce ne sera pas pour Achille Webo ce ballon. Et on voit que Webo est plus en pointe que Samuel Eto'o pour l'instant. Oui, mais je vois aussi que je pense qu'Arthur Georges a demandé à sa défense de jouer à 4 derrière et de ne pas prendre trop de risques offensivement. Parce que pour l'instant, je n'ai pas vu Atouba prendre le couloir. Je n'ai pas encore vu Jérémy Djita prendre le couloir. Ceci dit, Jérémy Djita a peut-être des soucis pour prendre le couloir parce que Ngom Komé joue complètement sur le côté droit. Mais je pense que tout ça, ça va se régler petit à petit. Allez, Samuel Eto'o qui a joué cette balle pour Jean Makoun. On a vu Koné qui vient faire du travail défensif pour les Ivoiriens. Ça a payé puisque le ballon a été récupéré pour les éléphants de Côte d'Ivoire avec Koné justement. Mais qui a été contré instantanément par Biquet. Faé le Nantais. On a le sentiment qu'il voudrait accélérer un petit peu là, avec Jérémy peut-être. Puis Faé. Les Camerounais, le centre, et c'est directement pour Jean-Jacques Tizier qui a fait une bonne partie de sa carrière en Tunisie et qui est le portier de l'Espérance de Tunis. Je pense qu'on retrouve déjà les automatismes intéressants entre Ngom Komé et puis Jérémy Njitap. L'un fait l'appel dans le dos, l'autre propose le ballon le long de la ligne. Ça, c'est un des points forts du Cameroun. Il y a toujours des possibilités de débordement et de bon centre. Avec les deux attaquants qu'ils ont, il y a toujours des possibilités. Et normalement, ça devrait se passer de la même façon de l'autre côté. Mais pour l'instant, Atouba ne s'est pas encore trop montré. Même si Atouba est un ancien ailier gauche, puisque je l'avais sélectionné en équipe nationale à la CAN 2000. Et il était justement à cette époque. Là, ailier gauche. Allez, 13 minutes de jeu pour l'instant. Et rien de marqué dans ce quart de finale extrêmement attendu. Eto'o face à Drogba, le réalisateur se concentre sur eux, mais il y a également de bons joueurs. Et Faé qui vient jouer ce ballon. Vous remarquerez aussi que Samuel Eto'o joue dans un registre un petit peu différent par rapport à l'habitude, notamment par rapport au Barça. Il joue de beaucoup plus décroché, il vient chercher des ballons. C'est peut-être la raison pour laquelle Arthur Georges a proposé à Ngom Komé de jouer un petit peu plus en pointe. Ça veut dire que Samuel Eto'o décroche, il emmène bien entendu un adversaire qui le suit et ça permet peut-être à Ngom Komé de faire des propositions en situation d'attaque avec Webo. Avec une longue balle pour Haruna Koné. Il y a Didier Drogba au point de pénalty. Le centre. Et ça a été repoussé. Jusqu'à Ngom Komé justement. Samuel Eto'o. Vous voyez, Samuel Eto'o est en situation de passeur là, donc c'est bien de le laisser. Avec un petit coup au coude peut-être là. C'est bien de le laisser évoluer un petit peu à sa façon, mais je pense que malgré tout, le Cameroun va avoir besoin d'un attaquant supplémentaire pour essayer de mettre en difficulté cette défense. Voici lui, ça va, mais c'est surtout le Camerounais qui semblait s'être fait mal. Je pense qu'il lui a marché sur le bras, ça doit pas être bien méchant. Sur le biceps même, Achille Pierre Webo. Mais les Camerounais sont costauds, je vous rassure. Allez,
Et Samuel Eto'o qui a frappé. Il y a une faute, il y a une faute, poussé dans le dos, c'est sûr. Mickey qui est en train de rentrer dans le match tout doucement. Il a eu un petit peu de soucis dans les 10 premières minutes, mais c'est normal, c'est une de ses premières sélections. Et en plus, jouer dès le départ contre deux phénomènes avançants, deux phénomènes ivoiriens qui sont Drogba et Aruna, c'est quand même pas un cadeau. Mais je pense qu'il va rentrer dans le match tout doucement, d'autant plus qu'on en dit beaucoup de bien au Cameroun. Précisons qu'Aruna Dindane est revenu dans le groupe hein, après son problème familial. Long ballon d'Akalé et le gardien qui a laissé passer la balle, Hamidou Souleymanou, qui était votre gardien également. Il a fait partie des 3 ou 4 gardiens que j'avais dans cette sélection. Il faut aussi dire que dans la sélection camerounaise, possède de très bons gardiens. Quand vous savez que Kameni est deuxième gardien dans cette sélection, c'est peut-être pas le cas des autres sélections qui possèdent peut-être un très bon gardien mais qui ont peut-être des soucis avec leur deuxième gardien. Jérémy qui est remis derrière pour Biquet, lui-même pour Rigobert Song. On reprend le schéma traditionnel du Cameroun. On fixe d'un côté et on va essayer de repartir de l'autre pour essayer de libérer un espace, si les choses sont faisables. Alors hier, c'était impressionnant, hein, match à élimination directe. 2 quarts de finale, 10 buts, 5 buts par match. Là, on voit qu'aujourd'hui, c'est plus serré dans ce match. Et puis que ça l'a été également pour Tunisie-Nigeria. Tout à l'heure. Ouais, c'est un match qui est un peu plus fermé, c'est vrai, mais je pense que aussitôt qu'on va avoir un premier but, ça va se décanter rapidement. La Côte d'Ivoire a quand même un bon coup à jouer pour montrer sa suprématie, pour montrer qu'elle est capable maintenant de vaincre le signe indien, puisque malgré tout, je crois qu'ils ont dû gagner une fois sur 6 rencontres contre le Cameroun. Donc il y a vraiment un gros challenge pour les Ivoiriens. Ils avaient surtout perdu les 2 confrontations, 2-0 puis 3-2 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Pratiquement 18 minutes de jeu, Cameroun 0, Côte d'Ivoire 0. Les Ivoiriens qui sont bien rentrés dans la partie. Ils ne sont pas focalisés sur ces 2 défaites en éliminatoire qui vont crânement tenter leur chance. Allez, Drogba qui avait prolongé cette balle. Akalé, Kanga Akalé et l'Auxerrois, le joueur de Jacques Santini, ex-joueur de Giroud. Je pense que pour l'instant, le match se situe au milieu de terrain et les Ivoiriens qui sont plus denses au milieu de terrain avec 3 joueurs à vocation défensive, plus Akalé qui revient et qui décroche. Je pense que pour l'instant, il y a une infériorité numérique de la part pour les Camerounais et ça leur pose problème. Ils ne réussissent pas à installer leur jeu comme ils le souhaiteraient. Mais là, il faut dire bien jouer à Henri Michel puisqu'il a mis en place justement ce système-là pour mettre en difficulté l'équipe camerounaise. Aruna Kolé qui a un petit peu raté un contrôle qui était délicat néanmoins. Rappelons qu'avant l'avènement de Drogba, c'était Aruna Dindane qui était la star de cette sélection ivoirienne. Et le long dégagement du gardien. Du côté d'Achille Ouébo. La tête de Drogba qui est dans le rond central. Qui vient également faire du travail défensif pour récupérer les ballons. Elgom qui a remis derrière. Du côté de l'autre Achille qui a été accroché. Derrière. Il y a une percussion. Les 2 hommes sont au sol. Ouébo est le défenseur. C'est Kwasi. Tombe l'un sur l'autre. Il a peut-être pris un petit peu le genou du Camerounais dans le visage au passage. J'ai pas l'impression que ce soit bien méchant. Non. Mais le constat, c'est quand même que le Cameroun, pour l'instant, joue des longs ballons qui sont pas vraiment efficaces. Il faut qu'ils retrouvent leur jeu, là. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore retrouvé leur emprise sur le match comme ils l'ont d'habitude et leur circulation de ballon. Henri Michel face à Arthur Georges. On aperçoit Gérard Gilly, qui est son adjoint. Gérard Gilly qui était l'entraîneur de l'équipe d'Égypte en 2000 quand j'ai eu la chance de gagner la CAN au Ghana. Allez, c'est pas grave, il y a une bonne ambiance. Biquet qui a relevé son adversaire Didier Drogba. Mais c'est un bon coup franc là pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Ouais, il y a eu un pied haut de Jérémy, puis presque un deuxième ensuite de Biquet. Là, ils y sont allés fort. Ah, ça sent les qualités de Drogba, il est capable de faire la faute à l'adversaire et maintenant ça leur procure un coup franc qui est hyper intéressant avec Rigobert Song qui prend Drogba en individuel, avec Biquet qui va prendre en individuel Aruna Kone. Et je pense que le reste sera en zone.
Le gardien n'a pas pu prendre la balle, c'est Zokora qui avait frappé ce ballon. Faé au sol. Et la balle qui est récupérée par Achille Webo qui est venu défendre lui aussi. C'est bien une preuve que les Camerounais sont un petit peu inquiets parce que c'est pas bien logique, même si Webo avait dû revenir pour prêter main forte au niveau de son jeu de tête. Mais pour l'instant ils subissent et c'est pas leur habitude. 21 minutes déjà de jeu, c'est vrai, on a souvent vu la possession de balle pour les Ivoiriens. Pour l'instant, Jérémy qui a récupéré ce ballon de son gardien, une longue balle devant. Hop, c'est arrivé sur la tête d'Engom. Womé qui se retourne, qui a tenté de frapper. Alors c'est sorti encore d'air, mais il y a peut-être eu un petit quelque chose. Donc Komé qui a bien progressé, c'était un garçon qui était dans l'antichambre de l'équipe nationale à mon époque et il n'était pas suffisamment régulier dans ses prestations. Et là je le vois depuis le début de la CAN, aussi bien du côté gauche quand il a joué à la place de Olembe et là maintenant du côté droit. Il est devenu un joueur assez intéressant. Je pense que c'est ce qui explique le choix d'Arthur Georges, parce qu'il avait quand même en Douala un joueur qui était aussi un joueur efficace sur le côté droit. Allez, Rigobert Song est monté, c'est Salomon Olembe. Ah, il a frappé. Bah, Song s'était jeté, mais ça va être dégagé par les Ivoiriens. Du côté d'Aruna Kone, Akale n'a pas pu prendre cette balle. C'est reparti avec Jean Bakoud. Retournée de Drogba sur Akale. Qui tient debout. Ah, il a marché un petit peu sur la balle. L'Auxerrois et Jean Bakoun, le Lillois, en a profité. Jérémy. Gomme qui est bien marqué. Un petit accrochage là. L'arbitre intervient tout de suite. Les Ivoiriens ont décidé de faire un pressing tout terrain. C'est vrai que pour ces 23 premières minutes, c'est intéressant parce qu'ils réussissent à contrecarrer les actions de l'équipe camerounaise. Mais j'espère pour eux qu'ils ne vont pas y laisser quelques plumes parce que c'est quand même un travail difficile au niveau du physique. Jérémy qui frappe ce coup franc. On est au milieu de cette première période. Allez, avec un long ballon pour Salomon Olembe, le petit gabarit. Et la balle est sortie. Encore un coup pour rien. Avec une bonne défense au passage de Kolo Touré. Le frère de Yaya Touré. Oh, il a été bien écarté de l'épaule. Oui, il a été bien écarté de l'épaule. Mais bon, Salomon peut-être manque un peu de compète. Il est actuellement au Qatar et je connais bien le Qatar puisque j'ai été entraîneur national pendant 3 ans. Et c'est quand même pas le meilleur pays pour être compétitif. Il fait chaud, hein. C'est chaud et le niveau n'est pas encore bien celui. Pas de public dans les stades. Hein. N'est pas celui de la Ligue 1. Au Qatar, on donne de l'argent aux spectateurs pour aller dans les tribunes et ils y vont pas. Hein. Ils préfèrent regarder la télé. C'est un petit peu ça. Ou alors on propose des tombolas. Il faut gagner pour gagner une voiture. Vous êtes obligé de venir au stade. C'est une façon comme une autre de faire venir les gens. Allez, Kone. La Côte d'Ivoire, elle monopole du ballon au milieu de terrain. Et on voit que Seydou essaie de régler le problème. Mais c'est compliqué. Allez, Aruna Kone face à Rigobert Song. Avantage au capitaine des Lions indomptables. Song en touche, on va saluer Jean-Claude Pagal qui sur quelques éditions était venu commenter avec nous cette Coupe d'Afrique. Je pense que pour l'instant, si on avait une statistique au niveau de la possession du ballon, la Côte d'Ivoire aurait certainement une certaine supériorité. Ce sont des longs ballons qui ne correspondent pas du tout au style camerounais. C'est étonnant. Et les défenseurs ivoiriens se régalent. Là, il peut y avoir un ballon intéressant. En revanche, pour Didier Drogba. Didier Drogba et le ballon qui a été dégagé au dernier moment. Il demande le corner du reste. Il y a même peut-être eu un petit quelque chose supplémentaire. Là, c'est la première grosse occasion. Il y a eu panique de Biquet et de la défense de l'arrière centrale camerounaise. C'est vrai. Biquet est en difficulté. Il a peut-être un petit manque d'expérience au niveau du marquage individuel sur un joueur de ce niveau-là. Et en plus, quand on connaît l'intelligence de Drogba pour faire des fautes à son adversaire direct, ça va se compliquer. J'ai bien peur pour notre ami Biquet. Samuel Eto'o qui réussit à centrer, mais c'était puissant, trop fort. Le, le, le,
L'équipe camerounaise a laissé un petit peu Samuel Eto'o seul. Il a la possibilité de centrer sur ce coup-là. Et en fait, il y a peut-être que deux Camerounais qui ont suivi. Le Cameroun n'a pas encore vraiment réagi et n'a pas encore réussi à régler ce problème de pressing des Ivoiriens. Et il est en train d'essayer de chercher son second souffle, j'ai l'impression. Piquet est bien revenu quand même sur la deuxième balle de Didier Drogba pour le gêner. Mais c'est vrai que dans un match comme celui-là, l'expérience de Kala, qui a peut-être 5 cannes à son actif et 2 ou 3 Coupes du Monde, aurait été vraiment intéressante. Maintenant, Kala est blessé, donc il ne faut pas vivre avec les joueurs blessés. Mais il va falloir que Biquet se reprenne rapidement, ou alors peut-être qu'on fasse permuter Rigobert d'un côté sur Drogba et on mette Biquet sur l'autre côté. Est-ce que c'est une possibilité? C'est peut-être une bonne chose. Jérémy pour N'Gom. Là d'habitude ça repart de l'autre côté. Là le Cameroun, je ne comprends pas pourquoi on fixe d'un côté, ça doit repartir pour Atouba qui se retrouve de l'autre côté. Et là il persiste à jouer des petites balles et qui n'amène rien. Oui, en revanche, il y a une bonne charge de Womé. Daniel Comé, qui était votre ancien joueur lui aussi. Donc Comé, oui. Allez, Rigobert Song de la tête. Il n'était pas titulaire parce qu'il était en concurrence à l'époque avec Lorraine Etamé qui jouait à Arsenal et qui était un joueur d'exception qui, pour des raisons que j'ignore d'ailleurs, a quitté la sélection. Je crois qu'il n'était pas tout à fait camerounais, qu'il n'avait pas la même fibre que les autres. C'est l'explication que je donne. Mais ceci dit, il est aussi très très utilisé par son club et donc je pense que Arsène Wenger est très content de le voir rester à la maison. Pour sûr, les petites fautes sur Samuel Eto'o que l'on voit jouer très très bas pour l'instant. Oui, mais quand Samuel Eto'o est en train de tirer un coup franc à l'intérieur de son camp, il n'est pas devant. Donc ça, je pense que c'est un mauvais calcul pour l'instant. D'ailleurs, il est reparti là devant. Il y a eu 16 fautes. Pour l'instant, c'est partagé entre les deux camps. Olembe qui accélère, qui a donné cette balle sur le côté. Mais ça va sortir en touche. Et les efforts d'Atouba. Allez, on approche de la demi-heure de jeu. Il n'y a pas eu beaucoup de grosses occasions de but pour l'instant. Non. Colo Touré a repoussé cette balle de la tête, mais ça revient avec Jean Makoun, avec Jérémy, qui est face à Didier Drogba. Il a passé Drogba, il y a Akalé qui le contre. Et les Ivoiriens dégagent à nouveau. Mais les Camerounais ne sont pas capables de libérer le couloir. Le pauvre Jérémy Njita n'a aucune possibilité de déborder. Vous l'avez vu en situation, il était avec 3 Ivoiriens sur lui. Je vois pas ce que. Il ne peut pas faire grand-chose. Donc dans ces cas-là, il faudrait qu'il soit capable d'orienter de l'autre côté en repassant par Seydou ou en repassant par Makoun. Et là, les situations seraient plus intéressantes parce qu'on pourrait trouver des duels 1 contre 1 sur l'autre aile. Allez, là, il y a peut-être une bonne balle pour Jérémy, mais il a centré derrière le but, malheureusement, pour le Cameroun. Le fameux centre de Jérémy. Minutes de jouer pratiquement, les supporters de la Côte d'Ivoire y croient de plus en plus. Bonne première demi-heure des éléphants. Oui, le Cameroun n'a pas trouvé la solution, j'ai l'impression que, mais pour l'instant les Ivoiriens se contentent de récupérer beaucoup de ballons au milieu de terrain. Il n'y a pas encore vraiment de situation chaude. Pour le Cameroun, c'est pas surprenant puisque Eto'o joue beaucoup décroché. Et pour la Côte d'Ivoire, il y en a quand même eu une, et peut-être celle-là. Didier Drogba qui a joué avec Haruna Koné. Mais ce sera pour le gardien Erigo Berceau qui était en protection quand même. Amidou qui a pu prendre le ballon et qui n'a pas relancé tout de suite. Ah, il le fait au pied maintenant. C'est du 2 contre 3 là. Et la balle qui est rendue au Cameroun directement. Je pense que Kouassi dit à son gardien, tu aurais peut-être pu venir rechercher le ballon dans les mains. Ça lui aurait peut-être évité de dégager n'importe où et de faire mettre une balle en touche. Dom Koné. Voilà, ça c'est le travail à la camerounaise. On passe dans le jeu. Jean Makoun. Et on recherche quelqu'un derrière. Et on a trouvé un coéquipier, là Samuel Eto'o en l'occurrence, pratiquement sa première balle. À mon avis, Webo doit avoir un petit problème. J'ai cru le voir lever le bras pour son banc. Quelqu'un, on verra peut-être rentrer Meyong alors. Là c'est Haruna Koné au milieu de deux joueurs qui s'est fait prendre la balle, mais il y a une faute qui est sifflée par l'arbitre marocain, monsieur Mohamed Ghezaz. Ah, il était bien démarqué quand même. Hein.
mais il n'a pas pu ajuster peut-être son coup de tête comme il voulait, directement sur le gardien adverse, Sabeleto. Et là, c'est un bon coup franc pour Zokora, pour la Côte d'Ivoire. C'est un gardien impressionnant, Souleymanou. Il faut le... Je suis certain, certes, je ne suis pas grand et costaud, mais c'est un gars qui mesure 1m94, qui a des... qui, si vous le voyez dans la douche, il est vraiment impressionnant. C'est une montagne, une montagne. C'est une espèce de Nordin Kourechi, mais en gardien, quoi. Nordin Kourechi en gardien, plus costaud. C'est un peu un Nkono, en aussi costaud. Didier Drogba, au départ, il a talonné pour son coéquipier, et ça n'a rien donné. Dommage, une occasion de perdu. Et Samuel Eto'o à grandes enjambées qui va tenter de déborder. C'est arrivé sur Kolo Touré ce ballon. Un coup franc pas trop bien tiré avec une passe un petit peu aveugle de Drogba. Je comprends pas qu'on se complique la vie sur des coups francs à 25 mètres comme ça, alors que certainement qu'ils ont des super frappeurs et que le coup franc était direct. Peut-être pour décaler par rapport au mur, mais la preuve c'est que les joueurs du mur ont eu le temps de sortir et ça a donné un coup franc qui a au contraire mis en difficulté l'équipe puisque les Camerounais sont partis en contre. Jérémy contré par Akalé, ça revient pour Jérémy encore. Ngom, ah, il a été contré, mais il aura la remise en touche néanmoins. Tout se passe beaucoup sur le côté droit. Hein. C'est vrai. On n'a pas encore réellement vu Samuel Olembe, Salomon Olembe, qui est un petit peu timide sur son côté. Atouba qui reste défensif. Ah, Webo qui a encore mal. Là, vous avez peut-être raison. Pierre Le Chantre. La cuisse. Et oui, là, j'ai eu le réflexe du banc. J'ai vu que mon joueur avait un petit problème et a priori, il doit avoir un petit problème musculaire. On voit que les Camerounais se parlent beaucoup en tout cas, mais les Ivoiriens également, vous voyez, ça discute beaucoup sur le terrain. Belles images. Ouais, on voit la motivation sur les visages. Ça aurait pu être une finale, la finale de cette CAN, cette affiche Cameroun-Côte d'Ivoire. C'est un quart de finale et l'un des deux pays, les grands pays de football, va tomber. Alors d'un côté, n'oublions pas, un quadruple champion d'Afrique, eh ouais, il sort malheureusement, Webo. Ouais, à mon avis, c'est le claquage classique. Je pense que Myongze qui rentre, c'est surprenant. C'est surprenant. Mais il est déjà rentré, il a marqué un but offert une talonnade sur une belle passe de Samuel Eto'o dans cette Coupe d'Afrique. Oui, mais si on avait vraiment voulu faire rentrer un joueur qui a les mêmes spécificités que Webo, moi j'aurais plutôt vu Boya, qui est un garçon qui a aussi un physique assez impressionnant et qui est pas mal au niveau de la percussion. Maintenant, peut-être que le match va me donner tort, mais ça c'est une réaction de coach. Voilà. Ça fait quand même deux blessés, hein, et deux blessés importants. Raymond Kala en début de compétition, là maintenant Webo blessé, on ne sait pas jusqu'à quand. La finale c'est quand même dans 6 jours, si finale il y avait, ce qu'on souhaite pour les Camerounais bien sûr. Voilà. Mais vous venez voir un petit moment de panique. Qu'on n'imagine pas, une balle facile que Rigaud rate de la tête, une mauvaise frappe d'Atouba qui remet dans son camp. Ça, ce sont des choses que j'ai malheureusement pas réussi à comprendre ce problème. Bon, peut-être qu'ils ont été perturbés par la blessure de Webo, peut-être. Il y a des choses qui doivent se passer dans les têtes de certains joueurs qu'on n'imagine pas. Alors le joueur qui avait atomisé les éléphants de Côte d'Ivoire, qui leur avait marqué 3 buts, est sorti sur blessure, Achille Webo. Et c'est Zokora, le Stéphanois, qui joue ce ballon. Heureusement que Rigoberto ne s'était pas endormi, parce qu'il y avait un Ivoirien derrière lui, c'est ce qu'il dit à ses coéquipiers. Il est le seul à y être allé, la pierre. Oui, peut-être, mais je pense que les autres s'étaient alignés. Donc là, il y a un petit problème tactique. Je pense que sur ce coup franc, ils avaient décidé de jouer leur jeu. Et Rigaud a pris 3 ou 4 mètres de recul pour jouer quand même la balle. Et donc ça a provoqué un duel, mais il était seul. Akalé pour frapper le corner, c'est directement sur le gardien, c'est sur Amidou. La grande qualité de Souleymanou, impressionnant. Et je peux vous dire qu'il vaut mieux pas aller au duel avec lui. Au contact physique. Non, il vaut mieux l'éviter, même si c'est un charmant garçon. Jean Makoun s'est fait chipper le ballon, c'est reparti avec Faé du côté droit. Akalé qui centre, encore Rigobert Song. Qu'on voit beaucoup dans cette première période. Le capitaine des Lions Indomptables. Ce qui veut dire que les Ivoiriens ont pas mal d'occasions. Ouais, ce qui veut dire que notre ami Rigaud est en train d'essayer de resserrer les espaces et de,
est amené par son attitude. Ah, et le carton jaune là pour cette faute sous les yeux de l'arbitre sur Samuel Eto'o. Allez, tout ça s'est déroulé dans un bon esprit jusqu'à maintenant, Pierre. C'est sûr que Samuel, malgré tout, est l'homme à battre, entre guillemets. Et certainement qu'à partir du moment où on lui a réservé un marquage individuel, systématiquement, quand il touche la balle, il y a un défenseur derrière. Là, c'est Kolo Touré qui est averti. C'était Kolo Touré qui était juste derrière Samuel. Mais il faut reconnaître aussi que Samuel a une telle qualité technique dans ses contrôles que si vous voulez lui prendre le ballon sans faire faute, c'est un souci. Donc on a déjà vu deux vilaines fautes sur Samuel. Et celle-là au moins est entachée d'un carton jaune. Donc la prochaine intervention de Touré, il faudra qu'il se méfie. Ça peut être le rouge. Allez, Rigobert Song pour ce coup franc, Jérémy. Ah oui, parce qu'ils ont déjà perdu Achille Webo, il ne s'agirait pas quand même de perdre. Ah, ça va sortir, ce ballon, c'est trop long. Pour Ngom, il ne faudrait pas perdre maintenant Samuel Eto'o, la star de cette CAN pour l'instant. C'est un choc entre des attaquants, des stars, les meilleurs attaquants du monde, hein, peut-être, Eto'o Drogba. Et pour l'instant, des 4 quarts de finale, c'est celui où il y a le moins d'occasion de but. On a vu 5 buts pour l'Egypte dans son quart de finale. Il y en a eu 5 aussi pour Sénégal-Guinée. C'est vrai, mais le système camerounais est un système qui passe beaucoup par le milieu de terrain, de façon à ce que le ballon puisse circuler de droite à gauche. Et là, pour l'instant, il y a du monde en milieu de terrain. Les milieux de terrain sont en difficulté. Ils sont dominés sur ce qu'on voit. C'est au milieu de terrain que ça pêche du côté camerounais pour l'instant. Allez, petite explication entre Samuel Eto'o et Zokora. La gentillesse de Samuel, incapable de faire de mal à qui que ce soit. Ah, c'est un garçon qui est un exemple au niveau de sa correction sur le terrain. Drogba qui n'a pas pu prendre cette balle de la tête face à Biquet. Biquet qui a sa chance à fond en tout cas dans cette CAN. C'est l'occasion pour lui d'apparaître. Il ne devait pas être titulaire. C'est encore lui qui est en train de bagarrer avec l'autre attaquant maintenant, avec Haruna Koné. C'est vrai, mais c'est un constat aussi. C'est de savoir qu'il y a 5 ans, je parlais déjà à mes dirigeants et aux gens autour du club de prévoir la retraite éventuelle de Kala. Et puis le Cameroun n'a peut-être pas travaillé dans ce sens-là encore. Et donc on n'a pas trop prévu qu'on ne pouvait pas toujours tirer sur les mêmes. Il va falloir aussi voir le remplacement à plus ou moins long terme de Rigaud. Et je ne sais pas s'il y a des jeunes pousses qui sont capables de prendre la suite de ces joueur exceptionnel. Ça dit, il est quand même pas si mal que ça, hein, parce que pour rentrer comme ça, comme titulaire à la place de Kala, il n'a pas fait de grosses fautes. On voit qu'il est assez physique, puissant. Il fait le boulot. Bon, il a été une ou deux fois en difficulté, mais face à Drogba, après tout. Hein. Ah, c'est vrai, je suis un petit peu dur avec lui parce que c'est quand même son deuxième ou troisième match. Mais j'ai tendance à faire des comparaisons avec Raymond Kala. Et donc, je savais avec Raymond que quand il prenait quelqu'un en individu. Attention à cette balle de Samuel Eto'o qui crochette, qui frappe et la parade du guerrier. Il y a eu un coup de billard et ça ne va pas sortir. Ça a été repoussé, la première grosse occasion pour Samuel Eto'o, Pierre. Oui, grosse occasion. Mais on a encore vu la qualité, le vice, la malice de Samuel qui peut frapper tout de suite et qui prend le temps de faire juste ce petit crochet pour mettre dans le vent Kouassi. Malheureusement derrière, un contre du gardien, un bel arrêt du gardien. Tizier a encore sauvé son équipe. Sacré arrêt de Jean-Jacques Tizier, le gardien de l'Espérance de Tunis. Regardez, il la sort de la main cette balle. Il a de la chance parce qu'ensuite ça rebondit sur un de ses défenseurs et ça part en hauteur. Et oui, mais c'est ça là, c'est la chance des grands gardiens. Une occasion pour le Cameroun. Et une occasion pour la Côte d'Ivoire maintenant sur ce centre. Drogba n'a pas pu la prendre. Allez, c'est reparti avec Ngob qui a remis à derrière pour Jérémy. Petite passe de Jean Makoun. Le réseau classique, Makoun pour Eto'o. Jérémy qui centre, ça a été contré. Mon gros souci avec Jérémy, je suis resté des années à lui demander d'arrêter ce centre-là qui donne rien, son centre aveugle là. C'est un centre qui veut à tout prix réussir et qui ne donne rien. Je lui dis dans ces cas-là d'aller jusqu'au bout et d'essayer de faire un centre entrée. Il faisait avec le Real dans son ancien club. Malheureusement, il n'a pas trop l'occasion de le faire avec Chelsea actuellement puisqu'il joue très peu. Et c'est dommage parce que c'est un joueur exceptionnel. C'est quand même bien dommage de voir des joueurs comme ça sur un banc. Mais l'effectif de Chelsea est tellement riche.
Alors que va faire Mayong? C'est vrai qu'il a une lourde responsabilité. Il remplace Achille Webo, sorti sur blessure. Olembe qui a joué ce ballon, toujours 0-0 bien entendu dans cette partie, dans ce dernier quart de finale. 5 pays qui rêvent encore de gagner la 25e CAN, ils ne seront plus que 4, peut-être dans un peu plus d'une heure, à Rola Kone face à Rigobert Song qui était très haut. Et la bonne surprise, si c'est une surprise parce qu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, c'est quand même la Côte d'Ivoire dans cette première période pour l'instant. On aurait pensé qu'elle allait être peut-être plus malmenée que ça par les Camerounais. C'est vrai, même si la Côte d'Ivoire se contente quand même de gérer. On n'a pas l'impression qu'ils se libèrent totalement pour l'instant. Ils veulent voir les capacités de l'équipe du Cameroun et essayer d'annihiler les attaques camerounaises. Mais c'est vrai qu'on voit des choses intéressantes. De toute façon, la qualité individuelle des Ivoiriens, on la connaît. Hein. Donc c'est juste ce sur quoi on pouvait hardir, c'est sur leur qualité collective. Et là, sur ce qu'ils montrent aujourd'hui, c'est quand même d'un bon niveau. Allez, Jean Macoun, c'est un petit peu... Ça s'énerve un emporté. Peu, ouais. Il faut souligner quand même la qualité de l'arbitrage. Hein. L'arbitrage africain a fait de gros progrès. On revoit l'action de Samuel. Et un qui a eu de la chance, c'est Emmanuel Ebué, qui aurait bien pu marquer contre son camp après la parade de son gardien Jean-Jacques Tizier. Ouais. Mais en fait, il ne réussit pas tout à fait bien son crochet. On voit que la balle est légèrement accrochée par le deuxième pied du défenseur ivoirien, ce qui fait que la balle lui monte un petit peu au genou et ça le met en difficulté pour assurer sa frappe parce que c'est pas vraiment faute le genre de Mayong. Qui fait signe qu'il a pris un petit coup de coude son adversaire. Parce que la mi-temps va arriver à temps. Que les esprits s'échauffent un tout petit peu, même si ça reste bon enfant. La plupart des joueurs se connaissent, hein, se croisent, notamment dans le championnat de France de Ligue 1. C'est sûr, je vois mal Jérémy faire un mauvais coup à Drogba, alors qu'ils sont les deux meilleurs amis du monde, ils sont toujours ensemble là-bas à Chelsea. Il reste 2 minutes 30 dans cette première période. Difficile de dire pour l'instant qui va passer en demi-finale face au Nigeria. Ngom qui avait joué ce ballon. Mayong a récupéré la balle après la charge de l'épaule de son adversaire. Ngom à nouveau, il a Jean Macoun devant lui. Ah non, petite pichenette pour Macoun, mais c'est perdu à Calais. Non, vous avez vu l'appel de Jérémy. C'est un faux appel. Normalement, la balle aurait dû partir de l'autre côté. Les deux dernières minutes de cette première période, je vous rappelle que vous pouvez gagner les chaussures dédicacées de Kaba Diawara, pardon, en répondant à cette question. Dans quel club français a joué Rigobert Song entre 2002 et 2004? Envoyez CAN 1 au 6 37 38 si vous pensez que c'est Lens, CAN 2 pour Marseille ou CAN 3 pour le PSG. Non, on va quand même pas vous faire gagner les chaussures de Didier Noto. Hein. C'est au moins du 45-46. Et puis vous pouvez que défendre avec ces chaussures-là. Didier, ancien sélectionneur du Burkina, qu'on salue. Moi aussi, je les salue, c'est un bon copain. Je voudrais me permettre aussi de cet aparté pour souhaiter un bon rétablissement à Michel Hidalgo qui s'est fait opérer d'un genou et qui est en éducation là depuis quelques jours. Donc je voulais faire un petit coucou à Michel. Alors comment vous analysez cette première période, Pierre Le Chantre ? Un jeu un peu stéréotypé de la part des Camerounais qui ne jouent pas leur jeu, qui cherchent systématiquement à passer sur le côté droit avec une densité qui est un petit peu trop importante avec Ngom Komé qui joue du même côté, avec Makoun qui joue du même côté, avec Jérémy Njitap qui joue du même côté. Donc on ne voit pas suffisamment de changement d'aile. On a l'impression que le jeu du... Meyongze était hors jeu. Le Cameroun n'a pas encore vraiment imposé son style de jeu. Maintenant, la Côte d'Ivoire me fait quand même une impression sympathique parce qu'il joue avec ses deux attaquants qui donnent du fil à retordre aux deux défenseurs camerounais. Drogba, ça a été contré, ce sera pour le gardien qui avait bien suivi. Ça fait un peu loin pour Drogba, un tir de 30 mètres comme ça enveloppé pour tromper Souleymanou. Je pense que même si la balle n'avait pas été contrée par le mur, Souleymanou aurait pu sans problème se saisir de la balle. Deuxième faute pratiquement en 3 minutes de la part de Mayong. Kone qui n'a pas pu passer.
Il reste 1 minute 35 dans cette première période avec le temps additionnel. On va très certainement regagner les vestiaires sur un score du Les Vierges de 0 partout. Le suspense reste entier. Et oui, là, je me mets à la place d'Arthur Georges, savoir exactement le mot qu'il va dire à la mi-temps, savoir peut-être éventuellement le changement qu'il va faire. Je préfère être à ma place qu'à la sienne, parce que je pense que son équipe ne donne pas satisfaction. Il va falloir quand même qu'il fasse des choix au niveau au moins d'un changement à la mi-temps. Oui, parce qu'on a vu les trois premiers matchs d'une équipe du Cameroun impressionnante. Alors est-ce que les équipes étaient en face étaient moins fortes que la Côte d'Ivoire, que cette Côte d'Ivoire-là d'aujourd'hui en tout cas? Certainement. C'est ce qu'on a reproché aussi, c'est ce qu'on a dit du Cameroun, c'est qu'ils avaient joué des équipes qui étaient un ton en dessous. Mais bon, je pense quand même que le Cameroun n'est pas dans son état normal aujourd'hui. Il ne joue pas son football. Biquet très loin devant. Mais sur un adversaire. Ça ne correspond pas au style de jeu du Cameroun, des longs ballons comme ça. Qui plus est, maintenant que Webo est sorti, ils n'ont plus la puissance offensive, la puissance athlétique avec Meyongze pour espérer une déviation. Centre de Jérémy, ça n'arrive pas à destination, beaucoup de ballons perdus. Koné a failli la chipper cette balle. Ouais, une prise de risque d'Atouba. Ça, c'est le problème des attaquants qu'on remet en situation de défenseur. Ils ont tendance des fois à prendre des risques inutiles. Ça aurait pu lui coûter cher. Allez, Samuel Eto'o qui a donné sa balle. Ah là là, Jean Makoun. Dommage. Sans une touche, c'était bien joué, Makoun. Et ce sera tout. La balle lui a ripé sur la chaussure. Il n'a pas pu mettre son plat de pied. Voilà, donc 0-0 à la pause. Même si on va peut-être faire cet ultime dégagement. Ouais, des choses à revoir. Donc Pierre Lechamp du côté du Cameroun. Et alors là du côté de la Côte d'Ivoire, vous changeriez quelque chose? Bah, du côté de la Côte d'Ivoire, si vraiment Henri veut jouer la gagne à tout prix, peut-être que Kalou peut être incorporé dans cette équipe. Maintenant, ça veut dire qu'il serait obligé d'abandonner son système à trois milieux défensifs. Pour l'instant, ça fonctionne pas mal parce que ça perturbe énormément l'équipe du Cameroun. Donc je pense pas qu'il ait intérêt à changer quoi que ce soit. Eh bien, on verra ça dans quelques minutes. Pour revoir également les meilleures actions, les statistiques de cette partie. À tout de suite pour la deuxième période de ce dernier quart de finale entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Rien de marqué pour l'instant. Eurosport, vous le savez, ce sont deux chaînes de télé, Eurosport et Eurosport 2, sur lesquelles vous avez vécu certains matchs de la CAN. Et puis c'est le site internet qui a été boosté ces derniers temps avec l'Open d'Australie. Avec cette CAN, vous pouvez aller chercher plein d'informations sur Eurosport.fr. Sur la moto également, vous avez une interview exclusive de Fabien Forêt qui vient de signer pour Suzuki en Superbike. Vous aurez des infos sur la Coupe du Monde. Les Jeux Olympiques, ça débute juste à la fin de la CAN. Vous allez vous régaler si vous êtes internaute. Vous avez une interview de Claude Leroy notamment. Vous pouvez suivre également les Pharaons et Osama Hassan avec ses 39 ans et demi qui a marqué un but et qui était ému en larmes hier. Alors, dans quelques instants, ça va reprendre. On est toujours avec Pierre Lechantre, ce qui est l'entraîneur, sélectionneur de cette équipe du Cameroun. Vous avez une petite idée pour un changement que vous opéreriez si c'était votre équipe, Pierre? Oui, je voudrais pas manquer de respect parce que j'ai été entraîneur du Cameroun. C'est vrai parce que le Cameroun est resté, j'ai gardé une part du Cameroun dans mon cœur parce que j'ai passé vraiment une CAN et des Jeux Olympiques aussi. Hein, donc j'ai vécu des moments exceptionnels. Enfin, j'ai quand même eu l'occasion de travailler au Qatar et de travailler à être dernièrement entraîneur du Mali. Mais c'est vrai que je me sens vraiment dans la peau d'encore d'un entraîneur et je me demande si cette mi-temps a été salutaire pour particulièrement pour le Cameroun, pour savoir si l'entraîneur du Cameroun a l'intention de faire un changement. Moi, je subodore un changement, mais j'attends de voir. Alors, les demi-finales, vous les suivrez bien entendu en direct sur Eurosport. On retrouvera Hippolyte Dangbeto et Nordine Kourichi pour suivre ces deux matchs. Du côté ivoirien, je ne pense pas qu'Henri Michel ait intérêt à faire quoi que ce soit. Son équipe est bien en place, elle possède le milieu de terrain, ce qui est un gros point fort par rapport au Cameroun. Maintenant, j'attends de voir ce qui va se passer du côté camerounais.
Allez, la petite idée qu'il avait, c'était peut-être de ne pas faire revenir Olembe à la mi-temps. Pierre, ben pour l'instant, il est là, vous le voyez, l'ancien Nantais et Marseillais. Et Eto'o est là aussi, lui, bien entendu. Lui, pas question de le changer. C'est la star de l'équipe des Lions Indomptables. Allez, allez de l'avant, fait signe Samuel Eto'o. C'est vrai que j'ai trouvé Salomon Olembe un petit peu timide. Mais bon, c'est vrai que le jeu a été particulièrement axé sur le côté droit et il n'a pas eu beaucoup de possibilités pour se mettre en valeur. On va repartir pour 45 minutes. Est-ce qu'on va avoir, Pierre Lechante, le même scénario que tout à l'heure pour Tunisie-Nigeria ou pour la première fois de la CAN, on a été aux prolongations et même aux tirs au but. Bah, les tirs au but, les Camerounais ils connaissent, hein, ils ont gagné la CAN avec vous. Sacrée séance d'ailleurs, le but d'Ikpeba qui était pas. Ouais, des sacrés souvenirs devant 90 000 spectateurs dans des tribunes. Au Nigeria. Au Nigeria, dans des tribunes où il n'y avait même pas de séparation pas de grillage. C'est vrai que dans ces cas-là, on regarde les pénalties, les tirs au but de ces joueurs, c'est sûr, mais on regarde aussi un petit peu derrière pour voir s'il y a un problème, dans quel point on peut se cacher. Mais j'ai pas eu ce problème là parce que mes joueurs ont assuré et on a gagné la CAN. Donc c'est reparti sans gros changement, j'ai l'impression, pour l'équipe du Cameroun. Biquet est là. N'oublions pas qu'il y a déjà eu un changement en plus. Hein, oui, il y a déjà eu la blessure de Webo. Donc, par obligation. Peut-être qu'Arthur Georges ne veut pas faire trop de changements en se disant que s'il a le malheur d'aller jusqu'aux prolongations, il a intérêt à garder du 109. Je vois que Gomkome est toujours sur son côté droit avec Jérémy Njitap. Non, mais il n'y a pas eu de changement a priori. Makoun en soutien sur le côté droit. Donc Olembe est toujours là. Le premier centre de cette partie. Mais Yongze également. Non, il n'y a pas eu de changement. Tout au moins du côté camerounais. Du côté ivoirien. On a Faé, le Nantais ici, qui tente de déborder. Qui est passé. Haruna Koné maintenant face à Rigobert Song, face à deux défenseurs, il a un petit peu marché sur le ballon, il l'a redonné néanmoins. Haruna Koné encore, son coéquipier est tombé, il a été poussé. Alors ça passera pas face à Atouba. Le solide Atouba qui s'est fait un petit peu mal au niveau des adducteurs, ou il a pris un coup plutôt peut-être. Je me demande s'il n'a pas fait un petit effort au niveau de l'adducteur. Il a tendu la jambe, il a fait l'extension. Je me demande. Aïe. Je sais pas quand même s'il n'a pas pris un petit coup là où ça fait mal également. Peut-être, alors à ce moment-là, ça serait autre chose que l'adducteur. Ça serait une meilleure nouvelle. Ouais, ça a l'air d'aller. Allez, Biquet qui a relancé. Les Camerounais jouent un peu trop bas dans la relance. On voit qu'ils partent de leurs 18 mètres. Et comme les Ivoiriens sont très, très bien placés au niveau du pressing, c'est compliqué. Eto'o qui joue décroché comme un 9,5. Ngom. Jean Makoun qui perd la balle. Jean Makoun qui perd des ballons qui ne sont pas habituels. Il y a des choses qui ne vont pas. Et le marquage au niveau du milieu de terrain du Cameroun n'est pas non plus exempt de tout reproche. Ça permet aux Ivoiriens de faire leur jeu et de mettre en situation Haruna Koné. Haruna Koné qui a été contré. Ça va donner un corner concédé par Biquet. Bon début de deuxième période, exactement comme en début de match pour l'équipe de la Côte d'Ivoire qui prend sa chance ici avec Haruna Koné, on vient de le voir. Et si c'était le jour de la revanche pour les Ivoiriens, et si c'était la grande journée de la Côte d'Ivoire, allez savoir, ils ne sont que les outsiders dans ce match. C'est bien votre ancienne équipe hier qui est la favorite. Qui était la favorite en tout cas avant match, mais attention à Didier Drogba, c'est Akalé, l'Auxerrois qui frappe un très long corner, c'est dégagé. Là, il y a eu une faute de surcroît sur Atouba. Un corner bizarrement tiré encore. Je suis un petit peu surpris de voir la qualité des corners. On n'accorde pas suffisamment d'importance à cette possibilité de but, c'est quand même une action. Allez, 3 minutes de jouer. On a vu un solide coup donné encore hein, sur le corner par le joueur ivoirien, même s'il ne l'a pas fait exprès. Ça laissera des traces, surtout si l'aventure, on va aux 120 minutes. Allez, ce joueur, Meyong, qui est rentré donc à la place d'Achille Webo. Samuel Eto'o face à Zokora le Stéphanois. Le visage frondeur de Samuel, vous avez vu les yeux chambreur, hein. Chambreur, t'as l'air de dire Zokora, tu as vu un petit peu, prends-moi le ballon.
essaye de me le prendre, tu vois ce que je vais te faire. À Calais face à Jérémy. À Calais qui accélère. À Calais qui centre, Rigobertson qui concède le corner à nouveau, la Côte d'Ivoire qui pousse dans ce début de deuxième période depuis le retour des vestiaires. Mais Rigo est là, dans les moments chauds on peut toujours compter sur lui. Vous savez que Rigobertson n'a pas raté un match de Coupe d'Afrique des Nations depuis qu'il est international. Il n'a pas raté une CAN et il n'a pas raté depuis qu'il est international. C'est un rock, c'est un peu comme Lampard à Chelsea qui enchaîne les matchs d'affilée sans manquer jamais un seul, ni suspension ni blessure pour l'anglais. Ouais, et on peut dire qu'il n'a pas, pourtant pas un style économique. Hein. C'est le gars qui se donne à fond sur chaque match, mais il est là. Calais qui donne un coup. Allez, Zokora pour frapper ce corner. Ça a été repoussé. Seydou à la tête, qui a un bon jeu de tête, Seydou, l'ancien joueur de coton de Garoua. C'était une équipe qui était sponsorisée par la société des cotons du nord du pays, du nord du Cameroun, dont d'ailleurs le président de ce club est aussi le président de la fédération, Mohamed Dia. Et c'est un club qui a beaucoup de possibilités parce qu'il a quand même une organisation et des possibilités financières qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne. Emmanuel Eboué pour faire la remise en touche. Ça sera plus loin que Drogba qui était venu vers lui. On voit Drogba en milieu de terrain. On voit parfois aussi Eto'o de l'autre côté en milieu de terrain. Les deux stars, les deux attaquants de pointe qui décrochent. Et du coup, ça donne pour l'instant un 0-0, un match particulièrement ouvert. Ngom qui repousse un petit peu Eboué, qui réussit à donner sa balle quand même. Pour Atouba, face à Faé, Atouba obligé de remettre derrière. On est reparti sur l'aile. Là, c'est intéressant pour un bon débordement. Ah, il a réussi à centrer, mais ça a été contré. Faé se jette. Pourquoi ? Pour la première fois, le Cameroun a été capable de fixer d'un côté, repartir de l'autre. Et après, avec une transversale de Jérémy, a pu mettre Ngonkomé en situation d'un contre un. C'est ce qu'on n'avait pratiquement pas vu pendant la première mi-temps. C'est Yaya Touré qui avait joué cette balle. Allez, les Camerounais qui vont peut-être pouvoir repartir avec Seydou. Olembe, mauvaise passe. Eh oui, dans la foulée, il y a eu une faute. Ngom, m'a-t-il semblé. Un mauvais tacle d'Ngom Komé qui est arrivé un peu en retard. Ouais. Et voilà. Et le deuxième carton jaune de cette partie. Un de chaque côté. C'était Kolo Touré tout à l'heure. Mais ça n'enlève rien à la timidité de Salomon Olembe qui se débarrasse un petit peu du ballon et qui n'amène pas sa vivacité, son engagement sur le côté gauche avec son bon pied gauche. On ne le voit pas suffisamment à mon goût. Quand je connais l'homme, il doit être malheureux et il doit être un peu timoré. Et Didier Drogba qui a pris un coup, qui est au sol là pour l'instant. Peut-être le souffle coupé sur cette chute. Alors, il a pris le genou de Song dans le dos. Ça fait mal. Ouais, c'est un petit avertissement de la part de Rigobert, d'un air de dire n'oublie pas, je suis là, tu peux compter sur moi, je suis dans ton dos et tu pourras pas faire ce que tu entends. Ça fait partie du jeu. Une partie qui ne s'est toujours pas décantée pour l'instant. Ils sont toujours encore 5 pays à rêver de gagner cette Coupe d'Afrique. L'Égypte et le Sénégal, le Nigeria qui a éliminé tout à l'heure la Tunisie de Roger Lemaire au tir au but. Et puis ces deux pays, donc il reste un sélectionneur français pour l'instant, Henri Michel, qui est face à Arthur Georges aujourd'hui. Et un seul des 5 pays qualifiés pour la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire en orange. Si les Ivoiriens sortent tout à l'heure, il n'y aura plus aucun des 5 représentants africains de la Coupe du Monde allemande pour les demi-finales. Ce qui est rare hein, quand même.
Et oui, là on pourra se poser les questions. Les fédérations africaines qui correspondent à ces équipes qui ont été éliminées pourront se poser des questions, à savoir de quelle façon elles ont abordé les éliminatoires. Est-ce qu'elles les ont pris un petit peu à la légère? Parce que le Cameroun a quand même gagné ses deux matchs contre la Côte d'Ivoire et malgré ça, il n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Peut-être oui, mais que... parce qu'il a pêché contre qui? Contre l'Égypte. Ils n'ont pas réussi à battre l'Égypte dans le dernier match décisif. Contre l'Égypte, un match nul 0-0 en Libye. Il y a eu le 0-0 aussi également en Libye. Un match nul 0-0 en Libye, une contre-performance aussi en Égypte. Donc tout ça, ça fait que le Cameroun s'est réveillé un petit peu tard et ma foi, dans ces compétitions-là, je sais de quoi je parle puisque j'ai quand même été appelé pour reprendre l'équipe du Mali qui possédait 2 points sur 15. Donc on avait une mission qui était pratiquement mission impossible, il fallait gagner 4 matchs sur 5. Donc il faut prendre par le bon bout ces éliminatoires et ça, de temps en temps, les fédérations ont tendance à l'oublier. Arthur Georges, toute son expérience. Il était du côté de Moscou, au Paris Saint-Germain, au Vitesse Arnhem, au Portugal, bien sûr, avec Porto, Belenenses. Jérémy pour ce corner et une reprise à la tête et la fureur de Rigobert Song. Et oui. Parce qu'il n'a pas cadré le ballon. Et pourtant, la balle lui venait bien. Ici, il suffisait simplement de la rabattre un petit peu. Il a plutôt eu tendance à faire une tête défenseur au lieu de faire une tête d'attaquant. Quelle puissance. Et le corner était bien tiré. Jérémy tire très bien les corners avec un petit peu de. Avec une frappe enveloppée qui met en difficulté la défense adverse. Quelle vitalité. Mais est-ce qu'on perd pas un tout petit peu d'influx nerveux quand on s'accasse, quand on s'énerve comme ça? Bon, je pense que Rigaud en a à revendre de l'influx nerveux. Je pense qu'il pourrait se permettre. On va encore le voir. Si on a les prolongations, vous allez voir que ça va être encore le plus valeureux dans cette prolongation. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Mais pour l'instant, je trouve que le jeu est en train de s'assagir tout doucement. On voit pas grand chose et on est quand même à la 55e minute. Eh oui, tout doucement, Arruda Kone et les siens continuent de tenir tête à cette équipe des Lions Indomptables qui sont un petit peu domptés là quand même aujourd'hui pour l'instant. Allez. Vous voyez encore le bon pressing des Ivoiriens. Ils ont 4 joueurs sur... Et voilà le ballon pour Didier Drogba. La frappe de Didier Drogba. Ça n'est pas cadré pour le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est sa deuxième occasion du match sous l'œil des Français. Hein. Ouais, un ballon difficile à redresser. Hein, qui plus est, pied gauche. On a vu du suivi, Gilly et Henri Michel. Et le staff technique d'Henri. Salomon Olembe, Samuel Eto'o contré, qui va se relever néanmoins, Kwasi qui a relancé. Intervention d'Engom pour pousser cette balle en touche. Yaya Touré. Cette frappe du côté ivoirien, 4 simplement du côté camerounais, dont le coup de tête de Rigobert Song. C'est peu, hein, 4 frappes au but en pratiquement une heure de jeu pour le Cameroun. C'est vrai, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est un match fermé. Hein. C'est un match fermé, il n'y a pas réellement de possibilités et même d'action bien construite. C'est beaucoup de longs ballons, on espère la déviation de Drogba. On attend une petite action individuelle de la part d'un de ses partenaires. Il y a pas, on voit vraiment pas quelque chose de bien léché, particulièrement du côté du Cameroun pour l'instant. On a vu que la balle était sortie. Arruda Kone qui centre, il n'y a absolument personne côté ivoirien là-bas, si ce n'est maintenant à Calais, parce que c'était mal relancé par le défenseur. À Calais qui centre. Merci pour ce Souleymanou. Oui, ce ne sera pas la solution de passer par le jeu aérien, il y a très peu de chance, même si Drogba est pas mal. Non, qui plus est pour des centres comme ça, qui sont pas tendus, qui amènent pas grand-chose. Avec la qualité d'intervention de Souleymanou, je pense que ça ne sera certainement pas la bonne solution. À deux équipes qui se font peur, qui se craignent. Et forcément, maintenant qu'on va approcher de l'heure de jeu, l'équipe qui marquerait prendrait quand même une grosse option. Meillon qui a donné cette balle, on n'a pas le sentiment qu'on va avoir un 3-2 aujourd'hui. Un passage dans le dos de Samuel Eto'o. La frappe dans la foulée, c'était cadré. C'était bien joué le jeu sans ballon de Samuel parce qu'il donne une opportunité. Le défenseur ivoirien hésite et ça permet la frappe. Allez, c'est récupéré avec Jean Makoun. Avec Engom. La récupération camerounaise a l'air d'être supérieure là pour l'instant.
Samuel Eto'o qui centre, qui a été contré. Récupération de Faye, le Nantais. Pour Didier Drogba, qui est face à Biquet. Song est déjà revenu. Jérémy également. Alors il préfère repasser derrière. Didier Drogba, côté de Faye. Yaya Touré maintenant. Le frère de Colo qui a poussé cette balle. Il y a un Camerounais qui fait l'effort. Et le pressing qui paye. Minutes de jeu, Salomon Olembe qui pousse cette balle pour Meyong, c'était pas suffisamment fort, hein. Timide Olembe. Exact, exact, c'est une passe qui était quand même relativement facile, il lui manquait 3 ou 4 mètres, mais c'est pas normal de la part d'un joueur de cette qualité, même si le terrain est pas exceptionnel, mais il faut quand même, il y a un manque d'application, il y a un manque de sérénité de la part de Salomon. Alors la balle est trop forte et toujours 0-0, donc quasiment à l'heure de jeu. Alors est-ce qu'on va procéder côté Cabroulet d'ici quelques minutes à un premier changement tactique? Parce qu'on le rappelle, il y a eu malheureusement la blessure d'Achille Webo qui a dû sortir, qui a été remplacé par Meyong. Choix qui sera peut-être discuté au Cameroun si d'aventure l'équipe était éliminée, parce qu'il y avait d'autres possibilités. Oui, il y avait d'autres possibilités, notamment avec Pierre Boya, qui est un garçon qui correspondait un petit peu au même style que Webo au niveau de son jeu athlétique. Maintenant, c'est un choix. De l'autre côté, je pense qu'Henri doit se poser la question de savoir s'il n'a pas intérêt à jouer le tout pour le tout sur les 30 dernières minutes en faisant rentrer Kalou. C'est des questions qu'on se pose. Dans ces cas-là, si on a la chance d'avoir un adjoint, et Henri a la chance d'avoir deux adjoints qui sont français, on peut en discuter entre nous. Si le changement amène trois suffrages sur trois, on fait le changement. Ils ont l'air de s'interroger, justement. Regardez, à mon avis, c'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on fait? Dubitatif. On tente tout pour le tout, on reste comme ça, on les met en difficulté avec un milieu à trois récupérateurs. Est-ce qu'on reste comme ça? Ou alors est-ce qu'on attend les prolongations? Allez, le coup franc, peut-être sur se retourner pour débloquer la situation, mais non. Ça sera un corner, à mon avis. Oui, c'est ce que demande Didier Drogba et c'est ce qu'il va obtenir. Le joueur de Chelsea, l'ancien de l'Olympique de Marseille, qui a tellement amené à cette équipe marseillaise lorsqu'il était là-bas. Tellement de buts marqués sur la Canebière. Les Marseillais auraient tellement voulu qu'il reste. Oh, il l'a laissé de bons souvenirs au Mans aussi. Hein. Il est retourné voir sa chambre il n'y a pas longtemps. Et son successeur a été surpris de le voir là. Je crois même qu'il a débuté à Levallois, hein, on n'est pas si loin que d'ici. Hein, donc c'était un joueur qui a, quand je regarde son palmarès, c'est un garçon qui s'est mis sur un tard, hein, donc qui a 27 ans et qui n'a pas eu la possibilité telle que Samuel Eto'o de jouer très jeune dans des équipes de très haut niveau. Cette balle, il y avait effectivement une position de hors-jeu, Pierre. Un petit mètre, bien arbitré. Je répète, tout à l'heure je parlais de l'arbitrage. Je trouve que l'arbitrage a bien progressé au niveau de l'Afrique. Et c'est intéressant pour la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde doit apprendre un certain quota d'arbitres africains. Et je pense que ces arbitres africains vont arriver pour faire un arbitrage de qualité pour la Coupe du Monde. Puis il y aura bien sûr la Coupe du Monde en 2010 en Afrique. Encore un coup dans le dos de Didier Drogba. Pas de ma faute, dit Atouba. Le coup, oh oui, il l'a quand même percuté. C'est peut-être un peu ce qu'on peut reprocher à Timothée Atouba. Il ne défend pas comme un vrai défenseur, puisque je vous disais tout à l'heure que c'était un ancien ailier gauche. Et donc, de temps en temps, il commet des bévues. Il ne se comporte pas vraiment comme un défenseur qui devrait écarter les bras et aller juste proposer le torse pour éviter un coup franc qui est bien placé. Et quand on connaît la qualité de Drogba. Allez, on s'échauffe un petit peu également. Allez, raison gardée, se reconcentrer, ne pas échanger de coups. Ça serait trop dommage qu'il y ait encore des cartons de sortie.
Heureusement, l'arbitre marocain, M. Mohamed Ghezaz, semble s'interposer face à ces solides gaillards. Ça serait aussi dommage pour la suite de la CAN, parce que certains joueurs pourraient se retrouver sur le banc. Mais tous les esprits vont se calmer. On a juste un petit problème pour faire respecter les 9 mètres du mur. Je crois que tu parlais à Emmanuel Ebué, Henri Michel. On aurait peut-être une petite consigne. Didier Drogba, c'est Eto qui est là, qui empêche d'avancer le ballon. Et les chaussettes au passage, les chaussettes de Samuel Eto'o, elles sont particulières, Pierre. Oui, il a un petit bandeau noir. Je ne sais pas ce qu'il a l'intention, ce qu'il veut dire par là. Bon, ça peut être considéré comme une toute simple publicité. Moi qui ne suis pas dans ce. J'ai pas ce même raisonnement. On pourrait croire que c'est pour commémorer le décès de Marco Foé, peut-être. Je ne sais pas. On peut imaginer un tas de choses tellement Samuel Eto'o est insentimental. Ah, faux départ de la part de Didier Drogba. La deuxième tentative sera la bonne. Non, il a passé finalement, et une frappe dans le mur de la place d'Étienne Boca. Je pense que c'est un coup franc qui a dû être travaillé à l'entraînement. C'est le deuxième qu'on voit, malheureusement. Et c'est le deuxième raté. Mais malheureusement, il manque d'efficacité. Dommage, parce que c'était de bonnes occasions. On a vu dans la dernière partie face à la République démocratique du Congo, Samuel Eto'o frapper un coup franc magnifique sur la barre transversale d'aussi loin. Oui, mais le frapper direct. Là, je pense qu'on se. Pourquoi il frappe pas direct ? Je le répète une nouvelle fois. Ils se mettent en difficulté pour éviter les murs. Mais quand on a vraiment un bon pied, vous avez vu que Samuel Eto'o, malgré le mur, a été capable de mettre le ballon dans la lucarne. C'est dommage, hein. Ce sont des deux belles occasions pour les Ivoiriens. Les coups francs directs, ils n'ont pas choisi de les frapper. Pourvu qu'ils ne le regrettent pas tout à l'heure en fin de partie. Parce que pour l'instant, ils en font une belle de partie, une belle rencontre. Les Ivoiriens peuvent être fiers de leur partie, eux qui avaient perdu deux fois en éliminatoire. Ils se défendent bien face à Olembe, ils le bousculent même par instant. Ils l'obligent à commettre des fautes à Calais. Il y a quand même moins d'occasions de déborder, franchement, qu'il a eu sur les rencontres précédentes. Et je pense que les entraîneurs ont dû superviser les cassettes, et en sachant que Calais est un joueur dangereux en débordement. Donc Jérémy Njitape est anormalement défensif. On le voit très peu, trop rarement en situation de débordement. C'est un match tactique, en fait, entre Henri Michel et Arthur Georges. C'est possible. Même si je pense que le Cameroun doit se suffire à lui-même, et il doit imposer son système et son style de jeu, et ne pas calquer son jeu par rapport à l'adversaire. Là, ça fait beaucoup de ballons perdus, hein, depuis une minute. Énormément, oui. Ouais. Et j'ai l'impression déjà qu'il y a un peu de fatigue qui commence à se faire sentir. Il y en a peut-être encore pour une heure, hein, pratiquement, si on va comme tout à l'heure aux prolongations, 120 minutes, comme pour Tunisie-Nigeria. Mais vous avez promis que Song courrait comme un lapin, comme un lion indomptable pour les 120 minutes. Ça, c'est garanti. Et voilà Arthur Georges, qui est beaucoup plus calme, qui discute moins en tout cas qu'Henri Michel, qui parle ici à Gérard Gilly. C'est bien, hein, vous qui avez été sélectionné, de ne pas être un homme seul pour prendre les décisions. C'est vrai que de temps en temps. Ouais, particulièrement dans les pays africains, vous avez quand même besoin de vous confier de temps en temps. Si en plus vous avez un entraîneur adjoint qui est. Presque un ami et qui vous entendez bien, c'est mieux encore. Oui, mais si vous avez un entraîneur adjoint qui est du pays et qui n'a pas toujours l'honnêteté voulue, ça pose rapidement des problèmes. Donc je l'ai vécu au Cameroun, et je voudrais pas. Je souhaite à personne de revivre ce que j'ai vécu avec mes adjoints camerounais. Allez, un long ballon pour Haruna Koné qui centre. Et Rigobert Song qui était là au point de chute du ballon pour dégager en touche. Mais comme il a pu. Hein. Enfin, les Ivoiriens font un bon match. Je me souviens du match qu'ils avaient fait contre nous lors de la CAN 2000. On avait eu la chance de les battre 3-0 et ça leur avait posé de gros problèmes quand ils étaient rentrés chez eux, puisque le président de la République de l'époque les avait envoyés une semaine en prison, pas en prison mais dans une caserne pour faire une préparation militaire d'une semaine. Ça avait pas vraiment plu aux professionnels qui évoluent à l'étranger de revenir faire du camping parce qu'ils n'avaient pas envie de faire les erreurs, hein. Et ça avait fait rire mes joueurs d'ailleurs, mais bon.
Mais cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est pas du tout la même chose. Elle mouille le maillot, c'est ce qui leur avait été reproché à l'époque par les présidents de la République. Celle-là, elle mouille le maillot et elle donne satisfaction tout au moins au niveau de son engagement physique. Et elle va peut-être aller en demi-finale de Coupe d'Afrique. La frappe de Drogba mais directement sur le gardien, c'était bien tenté, une frappe pure. C'était bien tenté, mais par ses arrêts, Souleymanou montre sa qualité de prise de balle, sa sérénité en tant que gardien de but. C'est vrai qu'on a deux bons gardiens aujourd'hui, alors qu'on a vu quand même pas mal de gardiens relâcher des balles, même hier avec le Sénégal sur le premier but encaissé par Tony Silva. Il y a eu pas mal d'erreurs et là sont presque deux des meilleurs gardiens, même si El Hadary est pas mal non plus l'Égyptien. Oui, mais bon, le jeu est fait d'erreurs. Etang a fait une erreur, il ne faut pas lui en vouloir. C'est un garçon qui quand même donne entière satisfaction dans son club et depuis des années est un des meilleurs gardiens de France. Donc bon, il a eu aussi peut-être un problème de terrain, un problème de faux rebond. On peut imaginer un tas de choses, même si l'entraîneur a dû quand même lui sonner un peu les cloches parce qu'il n'a pas dû être satisfait de ce but. Allez, Jean Macoul qui a donné à Samuel Eto'o qui accélère à toute la vitesse de Samuel Eto'o mais qui a été contré au tout dernier moment. Le bon retour de Kwasi. Et on voit la frappe de Drogba. Ce que j'appréciais chez Souleymanou, c'est qu'il avait une prise de balle. C'était pas le genre de gardien à vouloir boxer inconsidérément. Il voulait à tout prix garder le ballon. Et ça, c'est un point fort chez un gardien. Ça évite d'avoir des ballons qui traînent, qui sont renvoyés dans une défense et qui peuvent continuer à mettre l'équipe en difficulté. Corner de Salomon Lembe, bah directement sur l'autre portier, Jean-Jacques Tizier. Bonne relance puissante. Jérémy face à Faé. Qui est obligé de mettre derrière le Nantais du coup. Allez, Zokora, le Stéphanois maintenant. Chercher Koné, l'a trouvé face à Rigobert Song. Arula Koné qui a deux défenseurs face à lui et mieux qu'il peut obtenir, c'est ça. On ne passe pas Rigobert comme ça. Ça le fait un peu rire, notre ami Rigaud, mais en homme à homme, je peux vous dire que en individuel, un contre un, celui qui va réussir à faire mordre la poudre à Rigaud n'est pas encore né. Eh bien, on est passé directement d'un corner de Salomon Lembe à un corner pour la Côte d'Ivoire. À 19 minutes de la fin du match, c'est maintenant le Stéphanois Zokora qui frappe la reprise. C'était signé Didier Drogba. Oh, une bonne possibilité pour Drogba s'il a la faculté de bien réussir sa volée. Il était anormalement seul, pied gauche. Puis ensuite il y a Kolo Touré qui n'a pas pu reprendre cette balle. La remise en jeu d'Emmanuel Eboué. Eboué à nouveau qui avait joué avec Aga Touré. Eboué qui est face à Olembe. Je ne les trouve pas vraiment en jambes, mes Camerounais. Je ne sais pas ce qui se passe. On a l'impression qu'il manque un peu de mordant, il manque un peu de vivacité. C'est la vivacité et la qualité d'intervention est plus du côté de l'équipe de Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ne sont pas fatigués pour les titulaires qui étaient dans les 20 dernières minutes face au Congo. Hein, parce qu'ils avaient fait tourner la balle, c'était presque un non-match pour ne pas éliminer Claude Leroy. Oui, c'est un peu vrai. Ouais, j'ai vu un petit sourire de Rigobert Song vers le banc de la RDC à un moment, mais bon, la RDC a mérité sa qualification sans problème, donc c'est un peu logique, ça arrive dans tous les dans toutes les manifestations. Allez, c'était Boca pour Kolo Touré, ça n'a rien donné et toujours ce 0-0, toujours le suspense qui continue. Qui sera le dernier demi-finaliste pour affronter le Nigeria mardi prochain? Match que vous pourrez suivre en direct à 14h sur Eurosport. Au ballon en retrait, Aruna Koné a senti le coup, donc il court aux côtés de Biquet. Et toujours pas de changement. Monté a fait signe Jérémy. Voilà, une bonne balle peut-être pour Samuel Eto'o qui est face à Kwasi. Que va faire le Barcelonais? Bah, il a obtenu le corner. Non, toujours pas de changement pour l'instant. Dans cette action, on aurait aimé quand même que Samuel Eto'o trouve un peu de soutien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il semble dire à ses partenaires. On me donne un ballon, je garde le ballon, mais il n'y a personne qui vient derrière.
qui pourrait peut-être prouver que les Camerounais ne sont pas au mieux physiquement. Ça peut arriver, les Sénégalais s'étaient dit fatigués pour leur deuxième match, ce qui n'était plus le cas après. En tout cas pas pour le quatrième face à la Guinée. Ah, c'est dans le domaine du possible, ils ont quand même eu 4 ou 5 jours de repos. Qu'est-ce qu'on leur a fait faire pendant ces 4-5 jours? Peut-être que la pression n'a pas été maintenue au niveau du physique. Je ne veux pas me mettre à la place. Mais il y a aussi des soirs sans, on est moins bien. Hein. La force des grandes équipes étant d'ailleurs de gagner quand on est un petit peu moins bien. On revoit ce corner, bien capté par Jean-Jacques Tizier. Ça se passe bien pour les Ivoiriens. Ils tiennent pour l'instant, ils vont avoir tenu en tout cas 74 minutes déjà. Ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire lors du 3-2, ils avaient perdu. En revanche, ils avaient cédé à partir de la 80e minute dans l'autre match d'éliminatoire. Ils avaient pris 2 buts à la 80e et 82e minute. On va voir, peut-être que le pressing constant qu'ils exercent depuis le début de ce match va leur amener une petite fatigue, mais reste à savoir si le Cameroun va être capable d'en profiter. Je ne veux pas bander dans votre sens et lui jeter la pierre, mais Meyong a été inexistant dans cette deuxième période pour l'instant, on ne l'a pas vu. C'est vrai que peut-être qu'aussi les Camerounais jouent tout pour Samuel Eto'o, comme c'est souvent le cas. Oui, mais... Ils jouent peut-être sur Samuel Eto'o parce qu'ils n'ont pas d'autre solution avec Meyongze qui n'est pas suffisamment capable de garder le ballon. Le voilà. Petit tirage, petite poussette et il est sanctionné sous l'œil d'Arthur Georges. Qu'est-ce qu'il pense Arthur là? On est dans le dernier quart d'heure. Ça sent les prolongations, c'est la journée des prolongations, Pierre Lechantre. On a joué plus de 3 heures tout à l'heure entre la Tunisie de Roger Lemaire qui est tombé au tir au but donc face au Nigeria. On est peut-être parti à nouveau pour ces prolongations. Ah, je pense qu'on va avoir 10 dernières minutes intéressantes là parce que les Camerounais vont se jeter dans la bataille. Les Ivoiriens vont peut-être commencer à baisser de pied. Bah tiens, j'en profite pour vous faire gagner les chaussures dédicacées de Kaba Diawara au 6-37-38. Dans quel club français a joué Rigobert Song, votre joueur Rigo, entre 2002 et 2004? Envoyez Cannes si vous pensez vous souvenir que c'était le Racing Club de Lens, Cannes 2 pour l'Olympique de Marseille ou Cannes 3 pour le PSG. Et les chaussures dédicacées de Kaba Diawara, ce sera pour vous. Allez, Faé qui est accroché. L'arbitre a laissé jouer. Ah, Drogba seul. Drogba. Eh, mais Biquet est revenu. Il a essayé de remettre sur un roulin collé. Il n'y est pas parvenu. Dommage. Dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est encore une belle occasion, Pierre. Ah, c'est peut-être là qu'on se rend compte que Drogba n'est peut-être pas à 100%. Il a eu quelques petits soucis musculaires. Là, sur une action comme celle-là, je pense qu'il aurait pu aller seul au but. Il a préféré attendre un soutien. Olembe. Petite pichenette pour Meyong. Shomakoun, Meyong. Ah, c'est mal donné, dommage, il y avait un joli coup là-bas. Ah, il n'a pas de chance. Lui qui est tatoué sur le biceps gauche. Ces jeunes femmes supportent les éléphants de Côte d'Ivoire. Et elles ont bien raison, tête de Drogba, ça ne donnera rien. Il faut savoir que ces gentils spectateurs habillés dans les costumes du pays sont payés par le gouvernement. Ah bon ? Pour venir faire un petit peu de claque dans les tribunes. Le Cameroun et les autres pays africains emmènent systématiquement une cinquantaine de personnes qui viennent avec les costumes du pays pour mettre l'ambiance. C'est des chauffeurs de stade alors. Chauffeurs de stade, exactement. Engom. Bon, le résultat est sympathique. Ça garde le côté un peu folklorique de la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne faut surtout pas le perdre, ce côté folklorique. Parce que j'entendais des neveux qui disaient qu'il fallait s'adapter au football africain. Et moi, je suis persuadé et je disais toujours que
le football africain, pour gérer une équipe africaine, il faut avoir une rigoureuse improvisation. C'est nonchalance parfois pour ne pas s'énerver. Hein. Il faut leur laisser leur qualité d'improvisation. Il faut essayer de les faire rentrer dans un moule, ce qui n'est pas toujours évident. Haruna Kone, ils sont 4 face à lui. Ça aurait été étonnant qu'ils réussissent à passer. Biquet s'est chargé de le raisonner et de récupérer le ballon. Salomon Olembe qui est sur la ligne médiane, qui est face à Zokora et face à Drogba. Il a préféré remettre derrière sur Biquet justement, qui lui-même a joué avec Atouba. Timothée Atouba, Yaya, il s'est en touche. Bon, ça change le changement là quand même, ça va pas tarder. Ils vont pouvoir se lancer. Bah tiens, regardez, justement. Vous ne croyez pas si bien dire. Douala, je pense. Rodolphe Douala. À la place d'Olembe. C'est ce que j'aurais fait à l'habitant. Vous voyez. Mais comme il va encore y avoir en gros 40 minutes à jouer, peut-être, il va l'avoir sa grosse mi-temps Douala. Peut-être. Mais c'est ce que j'aurais fait à la mi-temps. Ça veut dire que Ngom Komé qui jouait sur le côté droit va passer sur le côté gauche. Ça y est, c'est fait, vous le voyez. Et Douala va jouer sur le côté droit avec ses qualités d'accélération et ses qualités de centreur. Jérémy, obligé de reculer. Jérémy, Song et Eto, c'est vraiment les trois stars hein, de cette équipe. Ouais, c'est le trio incontournable au niveau du Cameroun, à tous les niveaux, autant au niveau de la discussion des primes de match que de la discussion de l'organisation des déplacements. Ce qu'il faut aussi saluer, c'est que je crois savoir que le Cameroun a une certaine sérénité en ce moment par la présence de Patrick Boma qui amène et qui est un élément qui... Quoi, il amène les valises ? Non, mais qui est un élément important dans ce système parce qu'il sait, il connaît les problèmes du football africain et il essaye de les gérer avant que les problèmes n'arrivent. Didier Drogba est passé, mais finalement il a été contré. Il obtient le coup franc. Bien vu, monsieur l'arbitre. On revient à la faute, c'est ça, c'est bien. Gérard Gillet et Henri Michel. Là aussi, je pense qu'un changement se prépare. Peut-être l'entrée de Kalou dans les 10 dernières minutes pour qu'il, à ce moment-là, qu'il amène un plus au niveau offensif en jouant derrière les deux attaquants et en sortant à Calais. C'est dans le domaine du possible, on va voir. C'est qu'il va faire frisquer hein, sur la fin du match. Il y a une heure de plus en Égypte. On attaque à 19h local. Fin du match à 21h. Autant il fait 20 degrés la journée, autant on attaque vers 10 degrés. Voilà la frappe puissante. On va tomber à 8-7 degrés sur la fin. Bon, ceux qui jouent en Europe sont habitués à avoir beaucoup plus froid que ça. Mais ouais. C'est pour ça qu'on a vu quelquefois dans la CAN certains joueurs jouer avec des gants. Ce qui est quand même rare, ça n'arrive pas au Mali ou au Burkina. Ouais. Enfin, l'Africain est frileux. Ouais. En tout cas, les deux sélections étaient frileuses, elles aussi. Dans ce match, pour l'instant, qui a été très tactique, on s'est observé où les Camerounais ne sont pas véritablement livrés. Et pour l'instant, il y a 0-0. On ne sait toujours pas qui va affronter le Nigeria. Oui, on a l'impression qu'on assiste à un match d'entraîneur. C'est-à-dire que les deux entraîneurs ne veulent pas se livrer. L'un a fait le nécessaire pour juguler les actions de l'autre. Pour ne pas perdre, déjà. Pour essayer de ne pas perdre, faute d'Akalé. On va voir cette frappe puissante de Paulo Touré. Hein. Bonne frappe légèrement prise de l'extérieur. Et là la faute sur Jérémy, la faute d'Akalé, l'Auxerrois. Jérémy à nouveau. J'avais joué avec le nouveau rentrant. Voilà, là maintenant c'est le Lillois. Bien joué. Ça ne passe pas pour Jérémy. Et on se dirige tout droit vers une prolongation, j'ai bien peur. C'est à ce moment de la partie que ça s'était décanté en éliminatoire. Ils avaient claqué 2 buts en 2 minutes, les Camerounais, lors de la victoire 2-0. Chez eux, il y avait eu victoire 3-2 au retour, on l'a dit. 3 buts Webo, 2 buts Drogba. Là maintenant, c'est la petite étincelle de chance qui va peut-être faire la différence. On sait qu'Henri est un... Henri Michel est un entraîneur chanceux. Est-ce que le gardien s'est pas fait mal là, sur cette sortie face à Eto, notamment sur une chandelle?
On n'a pas vu grand chose. Il a l'air de s'être fait mal un petit peu à la main droite malgré son gros gant. Lyon en plus. Ah, c'est joyeux. Le supporter numéro 1 de l'équipe du Cameroun. Il suit l'équipe partout. On revoit les quelques maigres actions de but. Un tir 3 ou 4 mètres au-dessus. Une reprise de Drogba. C'est maigre, comme vous le disiez tout à l'heure. Didier Drogba qui discute avec Henri Michel et qui se désaltère au passage. Est-ce que Henri pose la question à Drogba ? Sept frappes pour l'instant, mais rien de vraiment décisif encore pour l'attaquant de Chelsea. Il se renseigne peut-être aussi sur l'état physique de Drogba, en sachant qu'on va engager certainement une prolongation, savoir s'il est capable d'aller jusqu'au bout, s'il n'est pas intéressant de faire entrer un, un autre attaquant. Alors c'est pas le même gabarit, hein. Atypique par sa petite taille. Donc je pense qu'il a posé la question de confiance à Drogba, à lui dire tu te sens pour finir le match ou pas. C'est toi que j'enlève ou c'est Aruna Kone. Je pense que Drogba avait l'air d'être d'accord pour rester, donc ça c'est plutôt Aruna Kone qui risque de sortir. Et Bakary Kone va rentrer, lui qui est né à Cocody dans le quartier d'Abidjan, qui est rentré à l'académie de football de Solbeli d'Abidjan en février 94. Qui est passé par la SEC d'Abidjan, qui est allé au Qatar, à Lorient bien sûr en Ligue 2. Il a laissé en larmes tous les supporters lorsqu'il est parti à Nice. C'est un garçon qui est arrivé dans les valises de Courcuff au Qatar quand j'étais entraîneur national. Et il a vraiment fait ses preuves là-bas et après il est retourné sur Lorient et il a fait un malheur à Lorient. Un carton. Et puis le orange du coup, il s'y est habitué à cette couleur. Ouais. Parce que c'est la couleur des merlus. Allez, ballon récupéré par les Camerounais avec Atouba. Les 5 dernières minutes de ce match. Samuel Eto'o qui a donné cette balle pour Douala. Qui l'a redonné immédiatement à Mayong. Le centre de Jérémy. Le fameux centre classique de Jérémy. Pourquoi ne cherche-t-il pas à faire la différence devant son adversaire? Alors, d'autant plus qu'il a une vitesse de course exceptionnelle. Peut-être qu'il y a aussi la fatigue. Le centre de Jean Makoun, ça n'a pas donné plus. Zokora, le Stéphanois. Allez, Jérémy, nouvelle chance sur une remise en touche cette fois-ci. Touche longue classique. Il n'y a pas beaucoup de potentiel athlétique pour dévier cette balle. À l'époque de Mboma, c'était une action qu'on répétait assez souvent. C'est vrai qu'on voit moins ces longues touches qu'on a vues sur certaines éditions de la CAN par le passé, Pierre. Oui, bah si vous vous souvenez du but du Cameroun contre la France au Stade de France, c'était une touche de Jérémy, une déviation de Marco Foué et la reprise fabuleuse de Patrick Mboma en acrobatique. Il nous avait valu de faire match nul contre la France. C'était un bon souvenir. Difficile d'oublier ce but. Allez. Parce qu'ils vont perdre des forces, hein. Quelle que soit l'équipe qui gagne maintenant, et on n'a pas de préférence, ils vont perdre des forces. Bon, d'un autre côté, vous me direz, le Nigeria a également joué les prolongations. En fait, si eux avaient pu éviter de les faire, ces 30 minutes. Certainement, oui. Et tout l'influx nerveux, de la fatigue d'aller faire les tirs au but aussi, peut-être. C'est vrai qu'on pouvait imaginer que l'un des pays aurait pu s'éviter cette prolongation pour jouer avec plus de fraîcheur pour le match, pour la demi-finale. 1m63 pour Bakary Kone. Oh, il y a eu des grands joueurs français, hein, Giresse, pas besoin d'être grand, notre ancien consultant il y a 2 ans. Alors Bakary Kone à la place de Yaya Touré, c'est pas vraiment le même gabarit. C'est donc la volonté de Henri Michel de abandonner son système à 3 défensifs au milieu de terrain et d'amener un plus avec avec Kone en électron libre devant et en soutien des deux attaquants. C'est un tout pour le tout, j'ai l'impression que là. Attention à cette balle. Ça a été récupéré par Douala, le centre, c'est très très haut. Et la reprise de volée de N'Gom. Et il a un missile qui est parti d'Etienne Boka. Je pense pas qu'il y ait eu de match de Coupe d'Afrique pour l'instant, pour les avoir tous vus, où il y a eu autant de balles aériennes, et ça dès le début. Hein.
Ouais, c'est vrai, on a choisi. Peut-être parce que ça va être le début du tournoi destination de rugby, je sais pas. Ah, quand une équipe perd son jeu, quand elle se. Et là, voilà, voilà une frappe intéressante, il s'est fait mal le gardien, ouais. Sur cette frappe d'Atouba, il a été percuté le poteau. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu sonné la pierre? De pas, j'ai pas l'impression, même si. Regardez, on l'a pas revu là sur ce ralenti là. Oh, il y a les plein pot quand même, il a sauvé son corps, regardez, oh, si il tape fort. Oui, il effleure un peu le poteau, je pense, mais. Il était déjà revenu. Je pense que ça fait partie du folklore un petit peu africain. Pour vous, il a été embrassé le poteau. Un gardien qui fait un arrêt exceptionnel derrière, il juge utile d'en rajouter un petit peu. Mais tout était parfait sur ce coup-là. Oh, il a l'air un petit peu groggy quand même. Hein. Il a la bouche ouverte pour l'instant, un peu comme un boxeur qui en a pris une bonne. Et regardez, du coup, il dégage pas. Il a laissé faire Kwasi. Bon, peut-être que vous avez raison, Pierre, et qu'il en rajoute un petit peu. Une chose est sûre, il est conscient d'avoir fait un super barré. Sur un superbe tir d'Atouba qui a une grosse frappe du pied gauche. Ah, il y a faute. C'est pas qui connaît son mètre 63 qui a balancé Rigobert Song. Et oui, et Rigo se retourne, a l'air de dire, mais qu'est-ce que tu es venu me faire là, toi, avec ton petit mètre 63. Tout tu oses, madame. Allez, les 30 dernières secondes, il va tout droit aux prolongations, comme tout à l'heure. Elle va être chèrement acquise cette place en demi-finale face au Nigeria. Les Nigériens qui doivent se frotter les mains en disant qu'il va y avoir prolongation aussi. Qui seront à égalité sur ce plan-là, les deux adversaires. Oh, il y a faute, la frappe instantanée de Samuel Eto'o. Ils étaient 5 ou 6 éléphants de Côte d'Ivoire là, à défendre, dont Zokora qui a le ballon. C'est terminé pour le temps réglementaire. Bah, qui connaît, qui a un petit peu raté son contrôle, mais c'est encore Song qui s'est jeté. 3 minutes. Les interventions préférées de Rigo. Une tête qu'on met en touche et derrière on fait deux ou trois petites roulades. Bel arrêt du gardien. Non, vous voyez, c'était juste pour montrer à la foule qu'il avait fait un arrêt exceptionnel. Mais qui est vrai, et c'était vrai d'ailleurs. On peut se faire mal à la clavicule hein, sur un coup comme ça quand même. Il reste 3 minutes, ça serait terrible hein, pour la Côte d'Ivoire de perdre son gardien. Vedette Jean-Jacques Tizier. Allez, la remise en touche qui est effectuée par Emmanuel Eboué. Et la balle qui a été reperdue, bah, qui connaît, qui va aller se repositionner, le Niçois. Ça fait chipper le ballon par Ngom. On n'a pas beaucoup accéléré, hein, même dans ces 3 minutes d'arrêt de jeu. Ça va être les prolongations comme tout à l'heure. On va avoir 15 minutes x 2, donc 30 minutes de temps supplémentaire. Les deux pays se connaissent trop peut-être aussi, ils se sont trop affrontés ces derniers temps. Donc on n'a pas voulu se lâcher, se livrer ni d'un côté ni de l'autre, ni pour Henri Michel, ni pour Arthur Georges. Mais le Cameroun ne fait pas le match offensif qu'on souhaitait et la Côte d'Ivoire fait le match défensif qu'on n'attendait pas tout à fait. Donc ça annihile les deux équipes et ça nous donne un match de qualité moyenne. Seydou qui se replace. 1 minute 15 encore dans ce dernier quart de finale. Toujours pas de lauréat pour la dernière place de demi-finaliste entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. 0 partout. Et ça sera peut-être l'un des derniers ballons, le dernier corner. Dernier corner. Attention. Et si c'était là ? Ah là, ce serait terrible, évidemment. Restez vigilants. L'arbitre a déjà consulté son chronomètre. 50 secondes encore. Les Ivoiriens sont pas spécialement pressés d'aller tirer le corner. Je pense qu'ils sont très contents aussi d'aller aux prolongations. Ah, c'est mieux hein, que les deux fois où ils ont affronté l'éliminatoire, cette équipe du Cameroun, où ils ont perdu 2-0 puis 3-2. Ah, il y a un petit peu de fatigue, hein, comme on voit les joueurs bouche ouverte en train de chercher un second souffle. Même s'ils sont costauds, Zokora. Coup de pied qui peut être déterminant, ils sont 5 et les forts dans la surface et il n'a pas tremblé votre ancien gardien. Et non. Et une bonne relance à la main directe. Sur Samuel Eto'o, il reste 10 secondes. Douala. Faye lui a chippé le ballon mais c'est revenu. Et Meyong ne pourra rien faire, c'est dégagé, c'est terminé. 0 partout.
comme tout à l'heure. On va donc aller à deux prolongations de 2 fois 15 minutes. En voyant le visage des différents joueurs déjà passablement éprouvés, je crois que cette prolongation va être difficile. L'organisme est tellement habitué à faire 90 minutes que quand on lui en rajoute 2 fois un quart d'heure, il a beaucoup de mal à supporter. Écoutez, on va en profiter nous pour prendre une petite respiration, si vous le permettez Pierre. Allez, on va repartir pour 2 fois 15 minutes. Qu'est-ce qu'Arthur Georges va décider? Alors, il y a eu 2 changements du côté camerounais, un seul pour l'instant du côté de la Côte d'Ivoire. 49 fautes hein, en 90 minutes, Pierre Lechantre. C'est énorme, c'est énorme. Je pense que c'est ce qui donne un match haché, qui n'est pas, qui ne répond pas à notre attente. C'est dommage, mais ça fait partie du jeu. À partir du moment où les deux équipes s'étaient programmées pour avoir un maximum de duels et pour faire un maximum de pressing de la part des Ivoiriens, c'est un petit peu logique qu'on se retrouve avec un tel nombre de fautes. Le dernier sélectionneur français est toujours en course. Henri Michel est toujours là. Je vous rappelle que Claude Leroy, lui sélectionneur congolais, a annoncé hier qu'il quittait les Simba après leur élimination face à l'Égypte 4-1 en quart de finale. Drogba, lui, il est en lice avec Samuel Eto'o pour le titre de joueur africain de l'année 2005. Ça sera décerné le 16 février prochain. Pour l'instant, il n'y a pas d'avantage d'un attaquant par rapport à l'autre. Non, pour l'instant. Donc, je pense que Samuel Eto'o reste sur ses acquis, sur ce qu'il a fait jusqu'à présent. Bon. Je ne voudrais pas faire parler le sentiment. Alors attention pour les Camerounais, on allait au tir au but. Rappelons Pierre Ouamé laissé au pays parce qu'il avait raté ce tir au but face à l'Égypte. On vous rappelle les scores des autres quarts de finale. 7 pénalty à 6 tout à l'heure pour le Nigeria face à la Tunisie de Roger Lemaire. Le tenant du titre est sorti. Ce sera un nouveau vainqueur. Il n'y aura pas une passe de 2 comme le Cameroun l'avait fait à l'époque, il n'y a pas si longtemps. Les Tunisiens ne le feront pas. Ce sera un nouveau vainqueur. A noter qu'il n'y a qu'un seul pays francophone qualifié. Pour l'instant, les Sénégalais, les Lions de la Teranga. C'est nouveau, hein. On a vu des finales francophones. Il y a 4 ans, c'était un somptueux Cameroun-Sénégal. Il y a 2 ans, c'était Tunisie-Maroc. Oui, il y a surtout aussi 4 pays qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde et qui se retrouvent déjà sortis. Et le 5e se bat, c'est l'équipe d'Akalé, c'est la Côte d'Ivoire. C'est un peu regrettable parce qu'on se demande, on se dit quand même que le pays africain, l'Afrique ne sera pas défendue au maximum de ses possibilités lors de la Coupe du Monde. Même si je pense que les équipes ont la possibilité de travailler d'ici là et essayer de retrouver un. Oh, il a relâché le ballon. Une erreur de Souleymane. Avec cette frappe de Bakikole qui a été contrée, c'était une belle occasion là pour les joueurs ivoiriens avec une nouvelle tentative. La barre qui repousse, une deuxième occasion. Bakikole qui frappe et qui marque. L'ouverture du score, c'est le petit Niçois qui vient de marquer. C'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui prend l'avantage. C'est pas fini, heureusement. Pour le Cameroun, il y a une demi-heure. Mais Bakikole vient de marquer. Pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire qui serait qualifiée, Pierre. Oui, oui, une erreur, la première de Souleymanou sur une mauvaise sortie, une balle mal renvoyée, une frappe sur la transversale qui revient dans les pieds de Koné qui réussit à frapper dans le petit filet. Les choses s'engagent très bien pour Henri Michel. Quand je vous disais qu'Henri Michel était un entraîneur compétent et chanceux, il faut avoir ce petit pourcentage de chance pour réussir. Alors on voit la frappe sur la barre, le gardien est battu, il est sauvé une première fois et Bakikole qui a juste le gardien Rigo Berson qui peut rien faire. Surprise, le Cameroun est mené. Pour l'instant, le Cameroun est dehors. Ils ont la chance de prendre le but très tôt. Hein. Au bout d'une minute 40 dans la première prolongation, ils ont le temps de revenir. Mais ils viennent d'encaisser ce but. Maintenant, il faut savoir si le Cameroun va avoir les ressources pour repartir de l'avant. Jusqu'à présent, ils ne nous l'ont pas montré. Je serais très étonné qu'ils puissent le faire. À moins de faire, je pense que on va voir... rentrer le dernier joueur camerounais très rapidement pour essayer de mettre un attaquant supplémentaire. Je ne serais pas étonné que Boya rentre pour amener un petit plus dans le jeu athlétique. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont fait un formidable parcours au Sénégal en 92, leur CAN gagné et qui mène pour l'instant. Allez, la réaction de Jérémy, la frappe de Jérémy sur la barre.
Miller également. La même action dans l'autre camp qu'il y a quelques instants. Ça y est, le match s'est animé, c'est explosif. Maintenant, il n'y a plus de calcul, Pierre. Oui, il a fallu attendre les prolongations pour voir beaucoup plus que ce qu'on avait vu pendant les 90 minutes. Ça y est, le vrai Cameroun-Côte d'Ivoire est parti. Il y a le feu maintenant avec la remise en touche d'Atouba. Et là, c'est dangereux dans la surface. Ah, ils sont 4 joueurs ivoiriens. Il y a même Drogba qui est venu chercher la balle et il y a eu faute. Ouais, une petite faute de Ngone Komé. Ouais. Belle frappe de Jérémy. Belle extérieur du pied. Belle fin de frappe au départ. Il se met sur son pied droit. Et c'est toute la différence. Vous parliez de la chance d'Henri Michel tout à l'heure. Il y a frappe sur la barre dans la foulée. Il y a le petit Nissouaba qui connaît, qui récupère et qui marque. Là, il y a frappe sur la barre. Et c'est pas récupéré par un Camerounais. Et pour l'instant, ça fait 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Et oui, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un tournoi. Il faut avoir la petite étincelle de chance. La baraka. Mais c'est loin d'être terminé. Ils vont se battre. Il y a eu obstruction là. Bien arbitré. Cette faute sur Ngom. Qui n'est pas le plus connu des joueurs camerounais, mais qui se bat beaucoup, qu'on a beaucoup vu dans ce match. Il fait une bonne canne, oui, il me surprend parce que c'est pas un garçon que je considérais comme un titulaire à part entière à l'époque, mais je trouve qu'il a bien progressé. Je crois qu'il joue en Espagne maintenant ou au Portugal. C'était une colle, Rémi, non? Je me souviens pas de mémoire, hein. c'est pas le joueur que je connais mieux. Il joue à Murcie, c'est quand même dans la deuxième division espagnole. Donc. Ouais, mais bon, je l'ai vu quelques fois faire des matchs intéressants quand même avec cette équipe. Quoi, vous suivez Murcie? Non, mais il m'arrive de voir début de l'autre monde. Et puis je suis un adepte de la télévision pour regarder les buts du monde entier. Ça reste mon métier. Voilà. En tout cas, merci d'être venu commenter avec nous ce match de votre ancienne sélection qui est dehors. Hein. Et pourtant, vous nous le disiez hors antenne avant le début de la partie. Pour vous, le Cameroun était sur les derniers. Mais le Cameroun, Mayong qui égalise. Là voilà, l'égalisation, voilà, c'est pas terminé. Mayong qui a la chance d'égaliser à son tour, un partout. On n'avait rien vu au 90 minutes. Voilà deux buts en 5 minutes. Et oui, comme quoi... Il faut éviter d'émettre trop de critiques par rapport à un joueur. J'avais pas trop apprécié le jeu de Meyongze depuis qu'il était rentré. Et là, c'est quand même lui qui est à la réception de ce cafouillage pour mettre la balle au fond. Les affaires reprennent pour Arthur Georges. Le même score que tout à l'heure lors de Tunisie-Nigeria, un partout. Ils n'ont pas douté longtemps, les Camerounais, ils n'ont pas eu véritablement le temps. On l'avait dit, l'avantage c'est qu'ils avaient encaissé le but très tôt, quitte à le prendre. Et là ils sont deux, et Mayong qui surgit pour récupérer la balle à la place de son coéquipier pour marquer son deuxième but du tournoi. Le premier, ça avait été sur une talonnade. Notons que c'est sur une chandelle hein, qui a eu ce but, avec Ngom qui laisse la balle à son coéquipier. Un bon contrôle orienté d'Ngom quand même, et qui donne la possibilité à Mayongze de finir. C'est bien joué. Comme quoi, on dit toujours dans les statistiques que 5 minutes après avoir marqué un but, c'est là où l'équipe est le plus en difficulté. Vous avez vu, on n'a même pas laissé passer 5 minutes et la Côte d'Ivoire a pris son but. Et le Cameroun, quadruple vainqueur de cette CAN, est toujours en lice. On n'est pas certain d'avoir encore un sélectionneur français tout à l'heure à la fin du match en course. Ni même un mondialiste. Un petit peu sonné là, semble-t-il, Didier Drogba. Ah, le Cameroun a vraiment choisi le bon moment pour égaliser, parce que s'il avait laissé égrener les minutes, ça serait devenu de plus en plus difficile. Mais là, marqué tout de suite, ne serait-ce que 2 minutes après, c'était la condition idéale. Alors que Romaric vient de rentrer, le manceau. Romaric qui porte le numéro 22. Qui avait été très très bon pendant 20 minutes en première période face à l'Egypte. C'est à ce moment-là du reste que son équipe avait égalisé avant de perdre 3-1. Rappelons qu'à l'époque, Henri Michel avait choisi de faire tourner son équipe justement pour faire souffler une partie des titulaires ivoiriens. Est-ce que ça va payer maintenant? Parce que ça peut être décisif. Hein. En effet. Et Romaric, pas plus tard qu'hier, je discutais de ce joueur avec Jean-Luc Haribar qui s'intéresse de très près à tout ce qui se fait au Mans. Et il disait qu'ils attendaient beaucoup de ce garçon-là qui, pour l'instant, les avait laissés encore un peu sur leur fin. Il attendait vraiment beaucoup de ce garçon. On va voir un peu s'il est capable de rentrer dans ce match et d'amener un plus à l'équipe ivoirienne. C'est vrai qu'ils suivent aussi Vincent Enyeama, le gardien du Nigeria, qui est qualifié, qui est un super gardien, qui a été champion d'Afrique des clubs déjà.
Allez, 97 minutes de passé. Et on ne connaît toujours pas l'encombre Romaric et Biquet. Et Drogba, on ne connaît toujours pas le qualifié, le dernier demi-finaliste. À Drogba aussi, il y a du manque comme Romaric. Allez, la remise en touche d'Arthur Boca. Et ce sera un corner. On peut signaler quand même que le but de Meyongze est un but de buteur pur, qui est un renard de surface, qui marque un but, qui a un ballon qui traîne dans les 18 mètres. Touche, fausse touche. Là, il s'est retrouvé exactement dans les limites de ses possibilités en marquant ce but-là. Par contre, au niveau du duel athlétique, là, il est toujours en difficulté. En attendant, le Cameroun a redressé une situation qui aurait pu devenir très compliquée. Et je les sens capables d'inverser carrément la vapeur. C'est Jérémy qui a fait la remise en touche. C'est lui qui centre dans la foulée. Le gardien n'est pas sorti, il a hésité. Faé, le Nantais, pour une grande chandelle en touche. Et c'est la Côte d'Ivoire qui subit, comme quoi le mental est important dans le football. Bah, ils ont accusé le coup, hein. Ils ont pensé avoir fait le plus dur. Et très très vite, le Cameroun est revenu. C'est toujours l'équipe qui égalise, qui revient très vite, qui a le vent en poupe ensuite. Et oui, c'est un but meurtrier psychologiquement pour les joueurs ivoiriens. Ils se voyaient déjà en demi-finale. Et là, tout est à refaire. Et en plus, les jambes qui deviennent de plus en plus lourdes. À tout bas, Corse, long ballon très très haut. Sur la tête de Meyongze. Jérémy qui a poussé cette balle pour Jean Makoun, le Lillois. Douala. Jean Makoun encore dans l'axe. Non. Koné a été contré. Ah, ils perdent beaucoup de ballons. Là, ils ont du mal à relancer en ce moment au milieu de terrain. Les joueurs ivoiriens. Douala. Obligé de reculer lui aussi. Zokora qui défend face à Ngom. La remise. C'était Jean Makoun. Il y a coup franc. Il y a faute sur le Lillois. Et une faute intéressante pour Samuel. Il doit se souvenir de son fabuleux coup franc contre l'Angola, je crois. Non, c'était contre. Oui, mais il en a fait un dernièrement dans le dernier match contre la République démocratique du Congo qui a été sur la barre. C'est de celui-là que vous vouliez parler ? Moi, je voulais parler de celui qui a été dans la lucarne. Parce que c'est exactement la même situation. C'était dans la première rencontre, effectivement. Pour son pied droit, s'il a la possibilité d'enrouler. Maintenant, peut-être que le mur avait fait une petite erreur lors du match précédent. Là, je crois que le gardien va au moins prendre un joueur supplémentaire au niveau de son mur pour assurer le coup. Même si les Camerounais sont en pleine discussion pour savoir quelle combinaison ils vont essayer de mettre en place. Mais je crois que la combinaison va être vite faite. Romaric et Drogba sont mis dans le mur, eux. Oui, mais les deux Camerounais vont s'effacer et ils vont laisser place à Samuel Eto'o qui va tirer direct. L'artificier, le Barcelonais, qui prend sa respiration. Un but partout pour l'instant. Samuel Eto'o qui frappe, c'est dans le mur. Il y a un joueur qui a bougé très très tôt. Oui, monsieur l'arbitre, là vous pouvez faire retirer, c'est pas normal. Drogba doit être à 2 mètres du frappeur. Là, il y a quelque chose à faire. Voilà, qui obtient le corner néanmoins. Il faudrait pouvoir intervenir parce que là, on empêche le joueur de tirer dans de bonnes conditions. C'est complètement anormal. Allez, c'est Romaric qui a concédé ce corner. Et Jean-Jacques Tizier qui s'inquiète un petit peu, qui donne de la voix. Encore une occasion pour l'équipe du Cameroun qui est en train de pousser depuis son but. Jérémy qui frappe, ça a été sur la tête d'un des joueurs des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et il y a un coup de sifflet, une position de hors-jeu peut-être. On joue depuis 102 minutes et les deux équipes sont toujours à égalité à but partout. Une nouvelle faute a été sifflée sur l'intervention de Rigobert Song. Il a été déséquilibré au moment de sa prise d'appel, a priori. On met du monde dans les 18 mètres. Voilà, c'est là qu'il faut positionner le ballon. Alors pour l'instant, le mur ivoirien est à 3,50 m. Merci messieurs, reculez. Encore un peu même. Koné dans le mur, il paraît un peu misérable. Là, ouais, c'est peut-être pour ça qu'on lui... C'est peut-être pour ça qu'on lui... Oh, il est avancé, il a gagné un mètre. Ping. Eh ben, je sais pas si c'est même pas lui qui l'a pas pris. Enfin, c'en est un des deux, en tout cas, ce qui est sûr. Et ça a marché. Allez, à tout bas.
qui centre. Ah, il y a hors-jeu. Il y a un joueur camerounais qui lève les bras, qui n'est pas d'accord. C'est à voir. C'était pas évident, effectivement, Pierre Le Chantre. C'est à voir, c'est dommage, mais Atouba avait pas trop bien joué ce coup, peut-être à cause de la fatigue. Ah oui, il y a du hors-jeu. Il n'était pas hors-jeu de... Peut-être pas lui de position. Lui n'était pas hors-jeu, non. De toute façon, il n'a pas joué le coup à la perfection. Non, il était un peu lent, c'est vrai qu'il n'a pas eu la vivacité nécessaire. Didier Drogba dans l'axe, il y avait Baki Kodé, il y avait également un deuxième joueur, il y avait Romaric. Qui lui avait été très vivace contre l'Egypte. Romaric, là, il est pris par deux joueurs, il a réussi à donner quand même le centre de Drogba. Ah. Souleymanou n'est plus décidé à faire une bévue comme tout à l'heure. Là, il intervient en bon moment. Il y a faute, sur le buteur. Il y a faute sur Mayong. Ouais, là, ça mérite un petit carton, peut-être, monsieur l'arbitre. Merci. Très bien arbitré. Emmanuel Eboué qui est averti à son tour et qui ne pourra pas jouer la prochaine rencontre. Si rencontre il y a. Dans cette CAN, si effectivement la Côte d'Ivoire se qualifie, ce qui est loin d'être sûr pour l'instant. Sinon, est-ce qu'il sera suspendu si la Côte d'Ivoire ne se qualifie pas? Est-ce que ce joueur serait suspendu pour son premier match de Coupe du Monde? Dans un groupe de folie, hein. Rappelons-le, le tirage au sort pour les Ivoiriens. Avec notamment l'Argentine, les Pays-Bas et la Serbie. Là aussi, il y a une grosse faute. Ça mérite un carton aussi, monsieur l'arbitre. Un joueur qui joue pas le ballon. Il va pas le sortir cette fois-ci. Qui vient pour faire mal. Il reste 45 secondes dans la première prolongation, un but partout, on a vu les deux buts dans cette prolongation. Et les esprits s'échauffent. Le ballon qui n'a pas été dégagé, c'est pour Douala. C'est encore pour Douala qui centre loin au deuxième poteau. Et il y a eu une faute de Samuel Eto'o. Ouais, Samuel est allé un peu à la kamikaze sur ce coup-là. Il n'avait pas beaucoup de chance de toucher le ballon. Alors on perd un peu de lucidité, c'est normal. Après 100 minutes de jeu, il faut l'accepter. On fait un peu plus de fautes. Autant des fautes individuelles que des fautes collectives. On fait plus l'appel, on n'a plus envie d'y aller. Une nouvelle chandelle de Jérémy. Ça aurait été le geste du match aujourd'hui. Ces chandelles, ces longs ballons aériens. Rappelons que c'est sur l'un d'eux que le Cameroun a égalisé. Hein. Ben, on joue de la même façon de l'autre côté avec Drogba qui a effleuré la balle. C'était difficile. Hein. Là, on voit les 10 années d'expérience de Rigaud. Il lève les mains au ciel. Il a dit j'ai pas touché. Et il a dû certainement donner un petit coup de coude ou un petit coup d'épaule. Arrêtons avec ces balles aériennes. Là, il y en a eu 3 d'affilée. Hein. Ouais, mais comme je vous disais, on perd la lucidité, on jette des ballons plus rapidement que prévu sur des joueurs qui n'ont plus envie d'y aller. Donc ceci explique cela. Ah, un petit accrochage encore avec Koné qui était au sol. Et oui, on tombe, on s'énerve. Et Kengom qui discute. Zokora, le Stéphanois qui s'approche. Et puis surtout Eboué qui a pourtant pris un carton et qui balance son adversaire, ça l'a pas calmé hein, de manquer le prochain match. Ouais, en attendant vous avez vu la petite faute de Rigaud. Et c'est tout pour cette première prolongation. Le suspense continue. Qui de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun va passer en demi-finale face au Nigeria? Ça va être des Ivoiriens revanchards après leurs deux défaites en éliminatoire de Coupe du Monde. Difficile de le dire pour l'instant. On a revu les deux buts de Bakary Koné puis l'égalisation camerounaise. Ça donne donc pour l'instant un but partout entre ces deux nations africaines. On pensait que la Côte d'Ivoire allait s'imposer, mais c'est vrai que le Cameroun a eu une bonne réaction. Allez, c'est reparti pour les 15 dernières minutes de jeu. Ensuite... Ce ne sera plus du jeu, ce seront des tirs au but comme tout à l'heure pour Tunisie-Nigeria.
si d'aventure il n'y a pas de but. C'était reparti très fort en première prolongation. Est-ce que ça va recommencer la même façon avec Elgobre? Oh là, il passera pas parce qu'il y a Zokora qui y allait pour le sortir. Ah, et j'ai vu Eboué tomber et peut-être se faire mal. Il y a une petite faute, oui, c'est sûr. Faute d'Engom. Ça le fait sourire, comme Comé. Et comme je vous disais tout à l'heure, les joueurs vont tomber de plus en plus souvent. La fatigue. Regardez Zokora, regardez Zokora. C'est vrai qu'au départ, il y a peut-être une obstruction de Zokora. Et oui, donc il joue pas réellement le jeu. Il est balancé volontairement, donc il se venge, le Camerounais. Ouais. Voilà les chauffeurs de stade nigériens. Ivoirien. Il est arrivé bien souvent que les chauffeurs de stade camerounais se retrouvent dans le même avion que nous pour le retour. Et je peux vous dire que c'était hyper sympa parce qu'ils vous mettent une ambiance avec leurs chansons fabuleuses, leurs chansons extra. Ça me rappelle des souvenirs, ça me donne la chair de poule encore. En grande discussion toujours, Drogba avec Henri. J'ai l'impression qu'il y a un feeling qui passe entre les deux. Et alors quand c'est des supportrices, c'est des chauffeuses. Des chauffeuses, mais ça je pourrais pas vous en parler beaucoup. Alors qu'est-ce qu'il lui dit Henri Michel à Didier Drogba? Dernier mondialiste encore en course dans cette CAN. Les quatre autres sont éliminés. La Tunisie, c'était tout à l'heure, si vous ne l'avez pas vu en direct. Roger Lemaire et son équipe ont été éliminés au tir au but. Ces mêmes tirs au but qu'on va peut-être retrouver dans quelques minutes. Moins de 14 maintenant. Si le Cameroun ne réussit pas par exemple à marquer sur cette action avec Jean Macoun qui centre. Et ça a été récupéré par les Ivoiriens. Alors il reste Drogba devant, mais Biquet veille. Un constat quand même, Samuel Eto'o aura joué quand même très très décroché, rarement aussi en position de vrai numéro 9. Hein. Je pense que c'est bien de laisser libre cours à la... Romaric qui centre, Bakary Koné qui a été accroché peut-être, non estime l'arbitre. C'est bien de laisser libre cours aux qualités de Samuel Eto'o, mais ça reste quand même... un avant-centre performant et c'est quand même dommage de se priver de ses qualités de numéro 9. Mais c'est vrai qu'il avait joué comme ça la deuxième période face à la République démocratique du Congo, il s'y est peut-être habitué. Ah, ça va être difficile, on va protéger ce ballon. Ouais, c'est des ballons difficiles ça. Sidou là, pousser son adversaire sur la fin. Un beau tacle de Seydou, une belle récupération, un tacle important sans faire faute. On avait pu penser à vitesse réelle qu'il y avait peut-être une petite faute et en fait il n'y en avait pas. Là c'est Étienne Boka qui a été poussé, mais c'est pas grave parce qu'il a eu le ballon pour lui, pour son équipe. La Côte d'Ivoire tient toujours pour l'instant. C'est Idou qui semble intéresser un nombre important de clubs français, je crois savoir. Des noms. Je crois que Marseille n'est pas indifférent, je crois. Même Nantes qui l'avait déjà sur ses tablettes d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'il a des qualités de. Pour équilibrer le jeu, pour récupérer le ballon. Il perd très peu de ballons et il en récupère beaucoup. Jean Macoun qui a fait une bonne ouverture. Le centre pour Meyong, la reprise instantanée de Meyong qui a été contré à bout portant. C'était sa deuxième grosse occasion du match. Oui, Meyong fait mentir, mais il se retrouve dans les situations où il peut être très bien. C'est-à-dire des centres, des reprises de volée instantanées dans les 18 mètres. Koné passe plus du tout hein, depuis quelques minutes. Non, mais Atouba fait un bon match défensif quand même. Ah, et Eboué. Une petite douleur pour Eboué. Est-ce que c'est sans doute le reste du coup tout à l'heure donné peut-être par le avec, petit Ngom Komé. Avec Ngom Komé, peut-être. Puis oui. La fatigue en plus, hein, de toute façon. Oui, peut-être que la cheville a cédé, peut-être une petite entorse. Le pied qui reste dans le terrain et Ngom Komé qui emmène tout au passage. Là, on revoit le centre. Et cette balle était cadrée quand même. Hein. Cette balle était cadrée. Hein. Je ne critique pas la qualité individuelle du joueur. Je me permets de critiquer un petit peu son positionnement. C'est-à-dire que ce qu'on attendait de lui ne correspondait pas aux qualités du joueur. Il
Peut-être que j'aurais aimé voir Pierre Boya aussi, qui est un garçon qui était en centre de formation à l'époque où j'étais et qui ne doit sa possibilité de jouer maintenant dans un grand club européen que par le fait que Nicolas Philibert, qui était à cette époque-là un Français qui était responsable de ce centre de formation, lui a permis de pouvoir quitter le Cameroun. Zorro va arriver. Et alors ? Eh ben, normalement, la Côte d'Ivoire va se qualifier. Zorro va rentrer, lui qui a eu un tel malheur, un problème raciste qui l'a laissé en larmes en Italie. Ah, les joueurs doivent être au-dessus de ça. C'est vrai qu'il y a toujours des idiots pour traiter les Africains de noms d'oiseaux. Ça fait partie de l'intimidation, ça fait partie de la bêtise de certaines personnes. Mais bon, heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde et que... On est conscient que les Africains et le peuple africain en général, ce sont des gens qui sont gentils, chaleureux et agréables à vivre. Et qui jouent bien au football. Allez, 110 minutes, là en 111e peut-être, pour être décisive avant que Zorro ne rentre. Zorro, c'est Marc-André Zorro. Il m'a semblé que c'était lui qui devait rentrer. Hein. Ça veut dire que Kalou ne jouera pas les quarts de finale. Non, j'y songeais. Ah, le ballon, c'est trop long. Ça aurait pu être pour Kolo Touré. Allez, il reste du temps encore. Il y a largement le temps pour l'une ou l'autre sélection de passer et de marquer. Allez, un bon débordement peut-être. Il va falloir la donner, cette balle. Mais il y a l'intervention de Faye, le Nantais qui a mis la balle en touche. Ouais, Douala encore un peu de fraîcheur. Hein. C'est quand même un garçon qui pourra encore faire la différence. Il est rentré que depuis peu de temps. Un ballon pour Jean Bakoun, cette remise en touche. Et Koné défend face à Jérémy qui accélère. Et Koné a mis la balle en corner, il a bien fait. Un bon corner. Et voilà Zorro. Qui est donc bel et bien arrivé. Alors va-t-il être décisif? Peut-être tout à l'heure sur le tir au but. Ah, qu'est-ce que c'était que ce geste pour se porter chance? C'est là peut-être un gris-gris, oui, c'est possible. C'était un gris-gris, ça. C'est possible. Il allait palper le filet, Samuel Eto'o. Oh là, il y a eu des règlements de compte dans les 18 mètres. Ah, vous savez, quand Zorro rentre, généralement, ils sont vite réglés les comptes. Je vais pas vous suivre sur son... Sur ce terrain glissant, vous avez raison, Pierre Lechantre. Allez, les dernières minutes. C'est vrai qu'il y a eu du bon football pendant la première prolongation. Mais il y a quand même une place de demi-finale de Coupe d'Afrique en jeu. Le relais de Jean Bakoun, c'est en touche. Eh oui. Les passes sont plus assurées. On le revoit ce corner. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors Mayong. Non, à mon avis, il n'y a pas eu grand-chose. C'est plutôt Mayong qui s'est laissé tomber. Ouais. On voit plutôt, ouais. En revanche, Samuel Eto'o, il montre tout de suite qu'il est tenu par Zorro. Ouais. À la pointe de l'épée. Il n'y a pas eu trop de fautes dans les 18 mètres sur les corners. Je pense que. Je ne sais pas si la CAF a fait le nécessaire, mais je trouve que. Oh, joli de la part de Bakary Koné, qui en a passé 3! Avec son centre de gravité très bas, mais il s'est fait chipper le ballon, ça sera la remise en touche. Ouais, le centre de gravité très bas, c'est ce qu'on dit aux joueurs qui sont un peu courts sur pattes. Je sais ce que c'est, hein. On m'a toujours affublé un petit peu de ce problème-là. Bon, mais c'est vrai que ça aide quand il faut accélérer, comme le fait Koné. Et vous nous parliez de la CAF juste auparavant? Oui, je pense que la CAF a dû donner des instructions parce qu'on voit très peu quand même de tirage de maillot sur les corners. Enfin, beaucoup moins, tout au moins, que dans les championnats européens. Oui, il s'est fait mal à Touba, à Timothée, ouais, à Touba, pas la bien méchant. Grimace de douleur. C'est pas bien méchant parce que si Koné a vraiment envie de faire mal, c'est la semelle qu'il met sur le tibia. Et en fait, il est juste venu contrer. Il a caressé le lion. Oui, mais c'est pas méchant. Et je connais l'homme, j'ai eu l'occasion de discuter maintes et maintes fois avec lui au Qatar. Et Koné est un garçon charmant. Incapable de faire un geste déplacé pour faire mal à un adversaire. Qatar, où lors du premier Grand Prix moto, j'avais croisé Bruno Betsu, Franck Leboeuf qui était venu commenter avec nous. Eh ben, je devais y être encore peut-être. On aurait dû se connaître. 2 ans et demi agréable au Qatar, un pays qui gagne à être connu.
On y retourne très bientôt, le premier week-end de moto, ce sera fin février sur Eurosport 2, parce qu'il y aura les Jeux Olympiques, ce sera le Superbike au Qatar. Eh bien c'est l'occasion de m'emmener, alors j'aurai aller dire bonjour à tous les amis que j'ai laissés au Qatar. Non, je suis désolé, mais la moto, c'est pas un domaine de compétence. Vous avez tort. Hein. Non, je ne critique pas. Hein. Je dis que c'est... Allez, les 5 dernières minutes. Mais on a le sentiment qu'on va aller au tir au but. À moins qu'il y ait un geste. Et c'est possible. Hein. On l'a vu déjà par deux fois dans cette partie. Il y a Bakary Koné qui est virevoltant. Il y a Zoro qui tente de déborder. Centre de Zoro, mais ça va être un petit peu contré. Et loin et fort, on dégage. Et la chandelle qui va pas loin du tout, elle en revanche. Hein. Ouais. Ah, ça montre à quel point les joueurs sont fatigués. Éviter le coup franc. Bakary Koné qui a donné pour Zoro. Le centre de Zoro au deuxième poteau, ah, c'est pour votre grand gardien. Sous les Manu est là. Je crois que c'est un des rares gardiens capables de dégager de la main. Dans les 18 mètres adverses. Ah, carrément. Oui, oui. Et ça lui pose pas trop de problèmes. Ouh, un accrochage, la provocation. Ah. Faé avec Samuel Eto'o. Elle a bien fait Faé dans tête filée. J'ai vu un drapeau se lever pour une position de hors-jeu, sans doute. Pas content, il a pris un coup. C'est ce qu'il dit au Nantais. Pas bien, là. C'est pas bien ce que tu viens de me faire. Les 4 dernières minutes de ce match Cameroun-Côte d'Ivoire. On est longtemps resté à 0-0 en début de prolongation. On est passé très vite à 1 partout. Et on est toujours à 1 partout. Comme tout à l'heure, Tunisie-Nigeria, ça va être sans doute la séance de tir au but. Tant mieux si vous êtes observateur neutre. C'est toujours beaucoup de spectacle. Mais pour les joueurs, c'est terrible. Pour les supporters également. Qui plus est, avec ce fameux pénalty tiré par Woumé pour la qualification pour la Coupe du Monde qui a laissé beaucoup de traces là-bas au Cameroun. D'ailleurs, à ce niveau-là, Eto'o en a parlé en disant que c'était Woumé qui devait tirer le pénalty. Parce que c'était le meilleur tireur. Et c'est vrai que Woumé faisait partie de mes tireurs lors de la Coupe d'Afrique en l'an 2000. Ah non, une balle qui va directement jusqu'à Souleymanou Hamidou, gardien de Deslizy Sport, qui va avoir sans doute à se mettre pas mal en évidence, de même que Jean-Jacques Tizier de l'autre côté. Les voilà, les deux portiers, ils doivent commencer à y songer forcément. C'est sûr. On a vu les deux gardiens tirer et marquer tout à l'heure. Exact, et très bien tiré en plus. Ali Boubligel et Niama. Oui, ceci dit, ça me semble un peu logique. Un gardien tire un tir au but à partir du moment où il est bien placé pour savoir les problèmes que peut rencontrer son adversaire direct. Il est peut-être en train d'y songer déjà, Tizier. C'est possible. Ça m'étonnerait que Souleymanou tire. Ah bon, pourquoi ? Je ne pense pas que le jeu au pied, c'était sa principale qualité. Oui, il est monté haut, c'était presque un ascenseur, non, estimé l'arbitre. Bakary Koné qui a donné ce ballon, qu'il récupère. Le Niçois qui a marqué tout à l'heure, qui fait une longue ouverture. Le ballon qui pourrait passer, le contrôle de la poitrine. Pas de pénalty. Hein. Et non, il l'arrête, Souleymanou qui arrête ce ballon de Romaric. C'était le tournant du match. Oh, Romaric le manceau qui a failli marquer. C'était le tournant du match. C'est reparti, Faye qui n'a pas pu prendre la balle. Jean Makoun qui commet une petite faute, mais l'Ivoirien se bat. Avec la rage d'Étienne Boka et le bel arrêt de Souleymanou. On va revoir ce ballon qui arrive jusqu'à Romaric qui avait devancé Biquet. On voit que Biquet sur cette action-là, même si la fatigue est importante, manque un tout petit peu de vitesse. Dans un système de jeu à plat comme le pratique de temps en temps le Cameroun, ça peut être dangereux. N'Gom en retrait. Une minute encore. Allez, loin et fort. Oh, c'est pas suffisamment fort. Il a presque envie de faire une maladie. Drogba, il s'est retenu au dernier moment. Ça aurait pas été une bonne idée. Jérémy, encore un grand ballon, loin devant. Le contrôle était difficile pour Douala qui est parvenu néanmoins. Faé qui lui a arraché la balle. Presque comme un voleur de poule qui va au contact. Faé qui s'arrache. Là, il y a tirage de maillot. Il y a faute du Lillois. Eh oui. Il y a faute de Jean Makoun. C'est la faute qu'il fallait faire. Mais c'est la dernière occasion du coup sur ce coup franc. Peut-être qu'ils vont monter. On revoit la balle de Romaric.
Bellara, il s'est bien détendu, mais il est grand, vous nous l'avez dit, 1m94. Et Biquet a l'intelligence quand même de ne pas faire faute, parce qu'il suffisait qu'il touche le pied d'appui de Romaric pour que l'arbitre siffle le pénalty. Mais déjà, il en a pas mal de pénalty, c'est la peine d'en faire mais un. Mais peut-être que ça nous aurait évité d'aller au tir au but. Douala est pris par Romaric justement. Il reste 8 secondes. Ça va se jouer au tir au but. Un même pénalty qui avait coûté sa place en Coupe du Monde au Cameroun, mais on va recommencer. Vous avez gagné la CAN au tir au but face au Nigeria dans une séance très particulière, vous le rappeliez. Il y a 2 minutes de temps additionnel, il y a 2 minutes encore, c'est peut-être pas fini. Souvenez-vous, c'était dans les derniers instants face à l'Égypte qui avait eu ce tir au but. C'est encore jouable, même si les joueurs sont très fatigués. Hein. Je pense que là, on n'a qu'une envie, c'est d'écouter, d'attendre le coup de sifflet final. C'est Idou. Non, c'est Kwasi qui a pris le ballon, il y a faute en plus de Meyang. Voilà la poignée de main avec Arthur Boka. Kwasi. Ouais, un petit croc en jambe. Notre ami Henri Michel doit regarder certainement sa liste de tirs au but. Il a dû travailler ça hier ou avant-hier. La même chose pour Arthur Georges. Maintenant, il faut aussi faire composer sa liste en fonction des desiderata de chacun. La fraîcheur de certains joueurs aussi. Oui, certains joueurs sont vraiment intéressés pour tirer les tirs au but quand on les travaille à l'entraînement, mais quand le match arrive. Mais attendez, parce que Pierre, avant les tirs au but, il y a quand même ce coup franc. Il y a encore un petit coup franc sympa. Cette faute sur Koné. Même si jusqu'à présent, les coups francs n'ont pas été spécialement bien tirés par les deux équipes. Alors il y a Romaric qui a placé ce ballon. Ce sont les 27 dernières secondes. Gérard Gilly qui est debout. Didier Drogba qui attend cette dernière balle. Sa dernière chance de marquer dans le jeu sur ce coup de pied arrêté de Romaric Le Manceau. Mal tiré. Ils auront tous été mal tirés. Et on y va. Les 13 dernières secondes, les tirs au but, Pierre. Romaric se signe. Les joueurs qui tombent dans les bras les uns des autres, on fraternise avant la terrible séance de tirs au but. Et oui. Il y aura bien sûr Eto, il y aura bien sûr Drogba. Qui va passer ? Est-ce qu'une fois de plus, comme pour la Coupe du Monde, est-ce que la Côte d'Ivoire va encore éliminer le Cameroun ? Réponse dans un instant après la pub. En février, les JO ne sont pas seuls à faire le spectacle. Le tennis s'affiche en grand avec 3 tournois ATP et WTA. La Coupe ULEB place aux play-offs avec les 8e et les quarts de finale. À Birmingham, les athlètes sont en piste pour de nouveaux records indoor. Sur le ring, les stars du kickboxing se défient à Anvers. Le Superbike redémarre, premier tour de roue au Qatar. Et avec le Bandy et les Great Outdoor Games, le sport se fait étonnant. En février, il n'y a pas que les JO, le sport fait le spectacle aussi sur Eurosport 2. Eto et Didier Drogba, eux, ils vont avoir à frapper dans quelques instants. C'est vrai, on s'en souvient, après l'élimination de la Coupe du Monde, Eto qui avait été au vestiaire dire à ses joueurs, allez, il faut se relever, il faut repartir. Mais ils peuvent retomber dans un instant, ce serait terrible. Arthur Georges qui demande le retour au calme. Il est en train de négocier la liste de ses meilleurs tireurs. Je pense que Jérémy devrait participer. Eto devrait participer. Rigo devrait participer. Je crois me souvenir que c'était lui qui avait marqué le dernier tir au but pour notre victoire lors de la CAN 2000. Même si ces souvenirs se chamboulent un peu dans ma tête parce que... Je crois que c'était Yves Péba qui avait marqué le pénalty victorieux. Non, je vous rappelle que Yves Péba avait tiré sur la transversale. Le ballon était rentré, je pense, mais heureusement... Non, il était rentré, c'est vrai qu'il était rentré. Bien sûr qu'il était rentré, mais heureusement pour nous, le grand écran du stade de Lagos était en panne et les supporters nigériens n'avaient pas pu voir que le ballon était rentré. Ils l'ont su que tard dans la soirée... Mais vous étiez parti. Mais tard dans la soirée, le président de la République nous avait envoyé son avion privé et on était déjà rentré à Yaoundé.
Une Coupe d'Afrique gagnée pour la Côte d'Ivoire au stade de l'Amitié à Dakar au Sénégal en 92. Après une terrible séance de tirs au but, 11 à 10, Alain Gouaméné était rentré dans la légende, il avait marqué le sien. C'était face au Ghana. On va peut-être pas aller jusqu'à 11 à 10, on est allé à 7-6 tout à l'heure avec deux ratés d'un côté, trois de l'autre, trois du côté tunisien. Les gardiens avaient tiré, je vous le rappelle, c'est la journée des tirs au but. Les deux capitaines, Song et Drogba, qui s'entretiennent avec le trio arbitral. Les enseignements de ce match quand même, c'est que la Côte d'Ivoire a montré des capacités à soutenir un engagement physique de tous les instants au niveau du pressing, etc. On avait tendance à les juger un petit peu trop artistes dans la tête. Et là, sur le match qu'ils ont fait, ils ont montré qu'ils étaient capables de mouiller le maillot et de faire un match sur 110 minutes, 120 minutes, pardon. Et ça, c'est quand même remarquable. C'est intéressant pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Regardez les Égyptiens, comme elles se déroulent bien leur CAN. Ils ont été dans un groupe certes difficile, mais il y avait la Libye quand même, donc ils ont géré ça tranquillement. Ils ont eu la République démocratique du Congo en quart de finale, c'était pas le plus redoutable, Claude Leroy nous en voudra pas de dire ça. Et ils laissent les Ivoiriens se débrouiller avec les Camerounais. Et peut-être que le Cameroun, qu'ils n'ont aucune envie de retrouver, hein, je vous le dis, c'est sûr. Ça, avec le coup qu'ils leur ont fait en les éliminant de la Coupe du Monde, bah, ils vont peut-être gentiment laisser les Ivoiriens éliminer le Cameroun. Oui, mais c'est le principe du tournoi. C'est pas toujours les équipes qu'on attend qui gagnent. Et là, sur ce qu'on voit, c'est une image qui me rappelle des souvenirs. Alors, on était tous aussi comme ça, serrés les uns contre les autres, à attendre les tirs au but de chaque joueur. C'est des moments particuliers, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui vous passe dans la tête dans ces cas-là. Le plaisir d'un peuple qui attend que leur pays se qualifie, la sérénité de certains joueurs, l'inquiétude d'autres. Il y en a qui ont peur, hein, c'est vrai, il faut bien le reconnaître, il y en a qui ne veulent pas y aller. En général, très peu aiment y aller, hein, parce que malgré tout, vous savez que vous avez une lourde responsabilité. Souvenons-nous du Colombien qui marque contre son camp en Coupe du Monde en 94, des répercussions que ça peut avoir dans un pays, de Pierre Wobé qui n'est pas sélectionné à cause de ça, c'est terrible là quand même pour Pierre. Par exemple, oui. Et puis ça peut avoir une répercussion terrible. On ne peut pas imaginer quelle serait la réaction de certains Africains, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, si tel ou tel joueur venait à rater un pénalty, un tir au but. Et pourtant, il y en a forcément au moins un qui va rater. Jean-Jacques Tizier va-t-il devenir le héros, le gardien de l'espérance de Tunis? Ou bien est-ce que ce sera votre ancien gardien? En tout cas, pour montrer l'exemple, c'est le Barcelonais, le meilleur buteur de la Liga. Samuel Etofis qui va frapper pour le Cameroun face à Jean-Jacques Tizier. Important de marquer le premier. Et c'est fait. Le Cameroun prend l'avantage. Un tir au but réussi à zéro. Ouais, un tir au but moyennement bien tiré, mais j'ai l'impression que Samuel a attendu le premier geste du gardien ivoirien pour lui mettre légèrement sur sa droite. Ça fait partie du jeu. Juste un petit temps d'arrêt. Maintenant, je pense que si on regarde la qualité athlétique de chaque gardien, Souleymanou va prendre beaucoup plus de place dans le but que Tizier. Et ça, quoi que vous puissiez penser, pour un joueur qui pose son ballon sur le rond du point de pénalty, il y pense. Quand il voit que vraiment il a affaire à un gardien qui prend énormément de place dans les buts. Le choc, on l'avait dit, l'exemple, deux des meilleurs attaquants du monde, l'attaquant du Barça a marqué, bientôt il affrontera Drogba. C'est maintenant l'attaquant de Chelsea qui va frapper à son tour. Il en a marqué un, souvenez-vous, lors du premier match, très important. Oui, est-ce que Souleymanou a eu l'occasion de regarder de quel côté? Oh, il l'a sans doute vu en boucle, ce but, c'était face au Maroc. Le but qui a éliminé du reste le Maroc. Didier Drogba, premier tireur. Eto'o a marqué. L'autre star va-t-elle égaliser face à Souleymanou?
Oh, qui a failli le toucher, mais ça fait un partout, Pierre. Il est parti un temps en retard. Je pense pas qu'il pouvait l'avoir. Le tir au but était bien tiré. Je pense pas, mais je remarque des similitudes dans la façon de se présenter avant le tir au but. Souleymanou a dû voir son ancien entraîneur de gardien faire la même chose, qui était Nkono, qui avait aussi la même façon de se présenter lors des tirs au but. Il restait complètement immobile et au dernier moment il poussait sur son pied d'appui pour avoir le maximum de jump. Ça n'a pas suffi. Séance de tir au but, ça se travaille la veille, l'avant-veille. Je me souviens que nous avions voulu la travailler et on avait vu une voiture avec un émissaire de l'Algérie qui était venu superviser nos tirs au but. J'avais donc dû utiliser un petit... On va attendre le tir au but de Jérémy, qui est normalement un bon tireur plat de pied. Et qui marque en force, Jérémy, 2-1 pour le Cameroun. Alors qu'est-ce que vous aviez fait de cette voiture, les superviseurs algériens? Jérémy, c'était pas du plat de pied, il a voulu se rassurer avec le tir au but. Oui, on avait donc vu que des gens, des émissaires algériens étaient venus superviser notre séance de tir au but. Donc j'avais demandé à mes joueurs de commencer par le deuxième tir au but. C'était un petit peu idiot, mais c'était comme ça. Donc ça veut dire que quand on a fait la séance, le premier pour nous, c'était pas celui que l'on allait réellement tirer, mais c'était le deuxième. Bon, ça a eu une incidence toute relative puisqu'on n'a pas eu à tirer les tirs au but contre l'Algérie. Mais on avait des conditions au Ghana qui étaient un petit peu spéciales et c'était pas évident de pouvoir faire un huis clos pour l'entraînement. Kolo Habib Touré. Le frère est en sélection également, mais il ne tira pas parce qu'il était sorti. Kolo Touré, le joueur d'Arsenal qui prend beaucoup d'élan, qui frappe et c'est pratiquement en lucarne, deux partout. Personne ne craque pour l'instant, Pierre Lechantre. Pour l'instant, non. Pour l'instant, les tireurs ont pris le dessus sur les gardiens de but. Les tirs au but sont bien tirés. Celui-ci, plat de pied, lucarne, rien à dire. Que des stars hein, pour l'instant qui ont joué dans des grands clubs, des garçons d'expérience. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va venir vers des garçons moins connus. Vous nous parliez par exemple de Ngom Komé, moins connu. Oui, et puis des hommes qui vont peut-être bien supporter le stress et la pression. Pour l'instant, on a eu affaire aux joueurs les plus expérimentés. Celui-ci est peut-être moins serein, par exemple, sur son visage, en tout cas. Atouba est un garçon qui maintenant joue un très haut niveau aussi en Angleterre. Donc je pense qu'avec son pied gauche, il va certainement assurer le coup. Ça dit Jean-Jacques Tizier, va bien avoir sa chance à un moment ou à un autre. Est-ce que ça va être face à Timothée Atouba? Ah mais le cœur bat, hein, je peux vous dire que là les pulsations sont à 170, hein, même si l'effort n'est pas important, mais il est tellement dans la tête. Oh la grosse concentration d'Atouba. Surtout pas au-dessus Timothée. Timothée Atouba du pied gauche, allez c'est bon tranquille à contre-pied. Bien joué, bon pied gauche. On a vu Biquet et ses coéquipiers applaudir. La déception du gardien de l'Espérance de Tunis. Qui part très tard aussi, hein, vraiment du mauvais côté. Ouais. Pas pu lire comme il le voulait la frappe de son adversaire. C'est un plongeon cadeau là. Mais ça va venir. De toute façon, il y en a forcément un qui va rater, c'est ça qui est terrible. Ouais, que ce soit un poteau, une barre dans la lune ou un arrêt du gardien. Ouais, pour l'instant les gardiens n'ont pas pris les bonnes options. C'est toujours délicat, hein. C'est Bakary Koné qui tire. Un tout petit bonhomme qui s'approche. Certains gardiens prennent l'option de plonger 5 fois du même côté en se disant il y a bien une fois où ça va réussir. On peut rester au milieu, souvent c'est bon. Hein, rester au milieu, souvent la frappe est en force, donc c'est pas évident de la dévier. Ouais. Allez, ancien joueur du FC Lorient, protégé de Christian Gourcuff, il a joué au Qatar, on l'a dit, il est avec les Aiglons niçois. Bakary Koné, il a marqué dans le cours du jeu et il marque à contre-pied là encore, 3 partout. Bon contre-pied. Et si on allait au bout du suspense, je vous rappelle qui sont les recordman du monde d'une victoire au tir au but 11-10 avec Alain Gouaméné à l'époque, les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils peuvent aller loin à cette époque-là, ils pouvaient en tout cas en 92. C'était il y a 14 ans au stade de l'Amitié à Dakar. Mais je peux vous dire que dans la tête des 6e, 7e et 8e tireurs, il doit se passer des choses, il doit se dire bon le Dieu. Le 6e, c'était lui. Hein.
Vous voulez dire les sixièmes de chaque pays. On doit se poser des questions parce que normalement, si on est sixième, c'est qu'on n'a pas vraiment voulu participer à la séance. Et donc, on se dit si ça tombe sur moi et que l'avenir du pays dépend de mon tir au but, c'est inquiétant. Voilà Ngom. Mon ami Ngom Komé. Et si Ngom le ratait ? Et si Ngom le ratait ? Et si Tizier l'arrêtait ? Si pour la première fois il partait du bon côté, s'il devinait à gagner, il a pris beaucoup d'élan. Ngom. Oh ! Ça rentre ! Oh, limite. C'était parti haut ! C'était limite, parti haut, Pierre ! Limite, je suis sûr que dans son esprit il se dit oh là ! Il est parti trop haut. 20 cm et la balle passait au-dessus de la transversale. Il avait le corps un peu en arrière. Je suis pas persuadé qu'il ait voulu la mettre là. C'est pas mal tiré quand même. Après coup, c'est pas si mal. Quand on le voit de derrière, on se dit que c'est pas si mal que ça parce qu'on se dit que Raoul, l'avant-centre, disait que la meilleure frappe pour battre un gardien, c'était celle qui était juste sous la transversale. Il a peut-être pas tort. Ceci dit, est-ce que Ngom Komé a fait exprès de mettre la balle sous la transversale ? On peut l'imaginer. 4-3 pour le Cameroun. Un joueur qui évolue au FC Nantes. Emers Faé. Avantage à Jérémy qui ne veut pas trop regarder. Avantage au Cameroun pour l'instant sans toute la pression. Il peut être rattrapé lui encore. Hein, la différence à partir du 5e si tout a été marqué puis du 6e. Emers Faé, c'est bon. Là maintenant c'est comme la mort subite. Et oui. À 4-4. Et oui. Et le cœur prend 10 pulsations supplémentaires. Et le cœur d'Henri Michel et celui d'Arthur Georges également. C'est les cœurs des sélectionneurs tranquilles. Hein. Souvenez-vous des problèmes qu'ont eu il y a quelques temps Giroud pour Salut et Gérard Rouillet. C'est un dur métier que vous faites. Mais je vous parle en connaissance de cause parce que même en étant ici simplement commentateur, j'ai le cœur qui bat. Mais je vous dirai pas pour qui. Hein. Vous êtes pour le Cameroun, Pierre. Je le vois. Je le vois. Moi, je suis persuadé que ça va être la Côte d'Ivoire qui va passer. Vous allez voir. Alors, la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Qu'elle laisse la CAN au Cameroun. La CAN, elle va être pour l'Égypte. Alors, c'est notre ami Meyongze, je crois, non ? Oui, c'est lui. Qui a marqué, qui a égalisé tout à l'heure. Qui a l'air très... il a beaucoup de poids sur les épaules. Très tranquille quand même. Il a soufflé. Ça cache peut-être une inquiétude. Et on ne sait... Ouf, bravo. Bravo, rien à dire. Il était serein finalement, vous aviez bien lu. Ah ouais, bravo, rien à dire. Bon, et bien là maintenant, ça va être terrible pour le joueur de la Côte d'Ivoire. Et je tiens à dire que c'est quand même des joueurs qui ont bien progressé, mais c'est logique, c'était des joueurs qui étaient dans mon groupe il y a 5 ans. Donc ils ont bien progressé, un gamin comme ça a pris du culot alors que normalement c'était un garçon qui était plutôt timide, effacé. Et là il montre quand même qu'il a maintenant une certaine volonté. Une certaine volonté. Ouais. C'est bien de voir que des jeunes évoluent comme ça et que on attaque maintenant notre ami Haruna Koné. Mais là, il n'y a que deux scénarios. Hein. Il marque, on continue. Il perd et la Côte d'Ivoire dit au revoir à l'Égypte. Et ce sera votre Cameroun qui sera qualifié. Tous les espoirs ivoiriens reposent sur ce joueur. Imaginez-vous. Il a des chaussures rouges. C'est pas que ça ait grande importance. Il a des cheveux blonds. On regarde pas le gardien. C'est un grand blond avec des chaussures rouges donc. Ouais. Face à Souleymanou. Koné qui frappe et qui marque. C'est pas terminé, on continue. On prend la balle de rage, votre ancien portier Pierre Lechandre. Oui, mais enfin le tir est bien, c'est bien cadré, il n'y a rien à dire. Je pense pas que. Jusqu'à présent les gardiens ont pu faire ce qu'ils ont pu, mais ça ne suffisait pas. Les tirs au but sont bien tirés. Il y a un beau staff de gardiens, à part Henri Michel, chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Gilly, je suppose qu'ils ont dû faire travailler leurs gardiens. Pour l'instant, on ne voit pas réellement l'efficacité, mais c'est tellement difficile. Surtout face à des joueurs qui ont quand même une certaine expérience, tout au moins pour les 5 premiers. Vous avez réussi à mettre de la pression, là que j'ai le cœur qui palpite aussi au moment où le Lillois Jean Macoun s'approche. Je me stressais, Pierre Lechandre.
Ouais, mais c'est normal, hein. Le stress n'est pas que pour moi. Hein. Allez, le Lillois, ils n'ont pas marqué beaucoup des buts en Champions League. C'était un groupe où ça ne marquait pas du tout. Avec Manchester, le Benfica, vous les avez vus au Stade de France à 3 reprises. Il y a eu beaucoup, beaucoup de spectateurs pour les 2 derniers matchs. Les Ivoiriens qui se concentrent. Jean Makoun. Ouais, ça passe encore, ah, ça superbe, passe encore. Superbe, superbe, superbe. Ah là là, ça va finir par être le Cameroun, hein, parce qu'ils ont toujours l'avantage maintenant à chaque fois. Eh oui, ça met une pression supplémentaire sur les Ivoiriens, c'est sûr. Le fait d'avoir débuté et d'avoir fait marquer et tôt, c'est important maintenant. C'est bien joué. En général, on essaie de gérer le premier et le cinquième tireur. Bon, là, maintenant, on est passé à une série supplémentaire, mais c'est très important. Tout à l'heure, on était à 7-6. Lorsque la Tunisie a été sortie par le Nigeria, là, on est à 6-5. Et voilà justement le 6, tiens. Kwasi. En qualité émotionnelle, on n'a peut-être pas eu les buts, mais là, on a quand même, sur les deux matchs qu'on a eu l'occasion de voir cet après-midi, on en a pour notre argent avec ces tirs au but quand même. Hein. Kwasi, face à Souleymanou, s'il rate, la Côte d'Ivoire rentre à la maison, ce serait terrible pour les éléphants de Côte d'Ivoire, mais il marque. On continue, 6 partout, on va donc faire aussi bien que tout à l'heure Tunisie-Nigeria. Je disais que les gardiens de but n'allaient peut-être pas tirer, mais les gardiens de but vont peut-être obligés de tirer si on va jusqu'à la 11e, si on va jusqu'au 11e tir au but. On est sur le regard du record du 11-10. Le regard, il est fier après. Ah, oui, il est fier après. Mais enfin, Rigobert Song, votre capitaine. Rigo, plat de pied à gauche du gardien. Bon, je le note. Mais s'il le sait, Tizier. Il devrait le savoir, hein, parce qu'on l'a vu et revu son tir au but lors de la CAN. Mais quand c'est bien fait. Il a son nom sur ses protèges tibias, les couleurs de son pays. Capitaine emblématique des Lions à Lomtag, Song. Il a changé de côté, mon ami Rigo. Mais il a marqué, c'est le principal. C'est bien et à nouveau, c'est terrible la pression sur le joueur des éléphants de Côte d'Ivoire qui va devoir y aller. C'est la marque des grands joueurs, être capable de changer de côté. On est à 7-6, comme tout à l'heure. Et il l'a bien mis, il l'a même superbement bien mis. Tout à l'heure, il y a Mickaël, un petit bonhomme de 18 ans qui a marqué. Alors qui va y aller maintenant pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Il est content, ça fait du bien. Il est content. Il n'était pas dans la liste, hein, c'est surprenant. Hein. Mais il avait toujours du jus. A priori, le prochain... Oh, c'est Romaric Lemanceau. Qui a fait une jolie canne, qui s'est montré qu'il était bon contre l'Egypte. Allez, tous les espoirs de la Côte d'Ivoire reposent sur lui. À chaque fois qu'un Ivoirien tire, maintenant il a la pression parce que s'il rate, c'est éliminé. C'est vrai. Dans le sens inverse, on a toujours l'espoir, mais si on rate, aussi mal parti que l'Ivoirien rate dans la foulée. Romaric qui tire et qui marque. 7 partout, on fait mieux que Nigeria-Tunisie. Je vous rappelle le record avec la Côte d'Ivoire-Ghana. Il y a 14 ans, c'était 11-10. On va peut-être pas aller jusque-là quand même. Vous savez qu'il n'y a pas que du football là, sur Eurosport, il y a beaucoup de sports représentés. Et c'est quand même une série de tirs au but qui vaut la peine d'être vue parce qu'il y a vraiment une telle intensité. Ça vaut les meilleurs films dramatiques. Ah, puis quand Pierre Le Chantre vient commenter avec nous, on le garde plus de 3 heures. Hein. On en profite, c'est l'ancien sélectionneur du Cameroun. Ah, mais j'en profite autant que vous, je vous rassure. Bon, de toute façon, vous l'auriez regardé ce match. Bon, oui, bien entendu. Voilà. Alors, autant regarder tirer Seydou, qui était un de vos joueurs aussi. Seydou, qui était un garçon de Coton Sport, du nord du Cameroun. Personne n'a raté, je vous rappelle. C'est rare, ça. Parce que dans le 11-10, il y en avait qui avaient raté à l'époque au stade de l'Amitié à Dakar. Seydou qui frappe. Et l'arrêt. Aïe. Et l'arrêt, le voilà, l'arrêt de Jean-Jacques Tizier, le gardien de l'Espérance de Tunis. Et mais c'est pas fini. Les Ivoiriens doivent marquer maintenant. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Il faut le retirer. L'arbitre donne à retirer. Il faut le retirer. Alors là, on va revoir. Alors, est-ce que le gardien... Il s'est avancé. Oh. Pas beaucoup. Hein. Ça, je pense que ce sont des actions de match qu'on voit souvent dans les matchs de tous les niveaux et peu d'arbitres jugent utile de faire retirer
Ah bah dites donc, avec le Cameroun, il se passe toujours quelque chose dans les séances de tir au but. Retiré. Ah, il a raté le premier. C'est peut-être prémonitoire. C'est... Quand vous pensez qu'il va le rater une deuxième fois, alors il va le marquer. Il ne peut pas le rater une deuxième fois d'affilée, c'est tout. Et il le marque. Non, je pense que c'est le Cameroun qui doit gagner. Mais il va falloir, je pense que ça va faire couler pas mal d'encre, ce tir au but donné à retirer. Parce qu'il a avancé, c'est vrai, de quelques... Mais il avance autant sur celui-là. Donc, Il faut le faire retirer alors. Je crois que... Il est plus avancé sur celui-là. Ouais, mais je crois que le règlement dit que quand le tir est valable, il va gagner 1m50 là. Mais bon. Là. Alors là, c'est terrible parce que si à ce moment-là, en plus, maintenant, le malheureux joueur ivoirien Étienne Arthur Boka rate, là, ils vont se dire c'est injuste. C'est... Ah, mais bon. On restera sur notre faim parce qu'on estimera que l'arbitre marocain a fait un petit peu de zèle. Arthur Boka face à Souleymanou. L'impressionnant géant gardien qui va peut-être qualifier le Cameroun dans un instant. On a cru que ça allait être la Côte d'Ivoire. Et au contraire, tout s'inverse. Boka qui tire et qui égalise. Bon, ben ça sera bien pas tiré. Sur ce coup-là. Bien tiré, bon pied gauche, ça aura du dans le petit filet, c'est bien fait. Et Drogba qui encourage ses coéquipiers, Romaric également, 8 partout. Il y en a eu un de raté, mais on l'a retiré. On n'est pas couché, hein. Vient de nous dire Cyril Chamasson en régie. On n'est pas rendu. Eh oui. Le record est de 11-10. Ça vous plairait pour votre premier match à commenter le Cameroun de battre le record des tirs au but? Pourquoi pas? Record mondial. Pourquoi pas? Il en faut encore un petit peu. Hein. Dans le football, il faut encore toujours 5. Dans le football, il faut toujours essayer de se faire remarquer d'une façon ou d'une autre. Ma foi, pourquoi pas. Hein. Tout le monde est solidaire côté ivoirien. Elle tarde à venir, hein, cette qualification pour les demi-finales. Mais personne ne veut jouer face au Nigeria alors. Alors Douala, je pense, non? C'est Douala. C'est Douala qui quoi? C'est Douala qui va le rater? C'est Douala qui tire. Douala qui marque. 9-8. Ah, 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 ah. C'est terrible pour les Ivoiriens à chaque fois. C'est quand même beaucoup plus compliqué de gagner en deuxième. Surtout quand on sait maintenant côté Camerounais que sur le rat, on va avoir une chance de retirer. Ah, c'est évident, c'est évident. Bon, bon, bon. Alors qui va être le deuxième? L'infortuné qui a été choisi peut-être de force, qui n'a pas envie d'aller tirer ce tir au but. Regardez le soulagement systématique sur le visage du joueur qui marque. Il se dit c'est pas moi. Là, dans ces cas-là, on raisonne individuellement en se disant moi j'ai fait mon travail. Maintenant, aux copains à faire le reste. Je crois que c'est un Stéphanois. C'est Zokora. Zokora ? Oui, c'est Zokora. Là, c'est le gros intox de Souleymanou. Ben, il serait temps qu'il cherche quelque chose d'autre parce que jusqu'à présent, il n'a pas été spécialement efficace. Arrêtez, pourquoi vous voulez qu'il fasse rater Zokora ? Zokora qui fixe le ballon, qui regarde pas le gardien pour ne pas être impressionné. Zokora, et qui le met. On s'approche du record, Pierre Le Chantre, on est à 9-9. C'est bien tiré ça, c'est bien tiré. Il a invectivé un peu le gardien qui lui a mis la pression. Il dit oui, oui, t'as essayé de me déstabiliser, tu n'y es pas arrivé. La Côte d'Ivoire peut toujours y croire. Allez! Le staff et Didier Drogba, le capitaine, y croit toujours. 9-9. On est à 3 tirs au bout du record mondial. On va bientôt arriver au gardien. Ah bah oui, là il reste plus beaucoup de solutions. Il y a un joueur de champ de chaque côté. Ensuite il faut qu'ils y aillent. Hein. Vous avez dit que Tizier serait peut-être plus simple, plus facile à aller tirer que Souleymanou. Mais il y en a encore un de chaque côté avant. Maintenant, je pense que notre ami Biquet va pas tarder. Mais c'est Biquet. Parce que lui... Et c'est Zorro de l'autre côté. Imaginez-vous, son troisième match en équipe nationale. Normalement, je crois. C'est Biquet contre Zorro. C'est Biquet contre Zorro, ouais. Biquet qui devait pas être titulaire, ça devait être Raymond Kala, il se retrouve là. Ça... Il était tranquille hein, avec une sélection du Cameroun qui jouait bien. Il pensait jamais qu'il allait à 9-9 se retrouver. Là, la charge émotionnelle, imaginez-vous. Troisième sélection a pris la place de Raymond Kala qui est une montagne dans le football, au niveau du football camerounais. Et il est là pas, pour... Qui n'est pas une chèvre hein, pourtant. Et qui marque. Et il marque. Bon bah, je crois que ça va être Zorro. Hein. On a affaire à des guerriers. Hein. On a vraiment affaire à des guerriers. Biquet là. Et... Malgré son patronyme, un véritable lion indomptable. Et alors, Zorro va arriver. Et voilà. Sans se presser. Hein. Sans se presser, c'est vrai, ouais. Zorro.
Marc Zorro. Il ne peut pas les qualifier déjà, c'est ce qui est terrible, il ne peut pas qualifier son pays. Non, il ne peut mais que... Il peut prolonger, ou alors provoquer le malheur, Zorro. Ouais. Ah là, je pense que ce soit, si le malheureux Zorro ne réussit pas son tir au but, les journalistes vont pouvoir inventer un tas, de grands titres. Bon, enfin, on va pas lui porter la chkoumoune à ce pauvre Zorro. On va le laisser tirer pourquoi tranquillement. Pauvre, pourquoi pauvre? Il sera pas pauvre s'il va marquer. Non, s'il marque. Non, je suis... Zorro qui frappe et qui marque. Zorro a marqué. On est à 10 partout. Les gardiens vont tirer. Record de séance de tir au but, je vous le rappelle, en 92 j'avais commenté ce match, il y avait eu 11-10, on est à 10-10. C'était vraiment le grand Zorro, rien à dire. Il n'était pas masqué. Maintenant, regardez ça si c'est pas beau. Les deux joueurs qui se tiennent par le cou alors qu'ils savent que dans 5 minutes... Il y en a un des deux qui va pleurer. Il va rentrer à la maison. Alors vous nous avez dit que Souleymanou c'était pas son truc les tirs au but. Ouais, on fait confiance, Pierre. Regardez Zorro, un petit pas d'élan. Et Zorro allume et Zorro marque. Zorro capé, Zorro a marqué. La Côte d'Ivoire y croit toujours. On a eu en tout et pour tout qu'un arrêt de gardien. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire que tous les autres tirs au but ont été bien tirés. Sans faille, sans... Zorro, c'est un tireur de cap et d'épée, hein. Lui, il ne pouvait pas échouer. Mais maintenant, regardez cette belle image d'émotion. Et voilà, Souleymanou. Il ne s'attendait certainement pas à ça. Tout à l'heure, on a vu deux très bons gardiens avec Ali Boumnigel. Ouais. Barthez aurait enlevé les protèges tibias. Souleymanou ne le fait pas. Souleymanou face à Tizier. Il le marque. Mais s'il reste au milieu, il le sort, hein, Tizier, c'est terrible. Je me pose quand même des questions sur les gardiens, hein, parce qu'ils sont anormalement passifs sur tous ces tirs. Bon. On vient, parce que si vous voulez, ils voulaient égaler le record. C'est fait, 11-10, on a égalé le record. Alors là, si Jean-Jacques Tizier le marque, à 11-11, on bat le record et on continue. Et on rattaque une série. Bah oui. Voilà les jolies Camerounaises qui nous accompagnaient. Très jolies Camerounaises. C'était agréable comme. Ouais, je comprends bien. Jean-Jacques Tizier, le gardien de l'Espérance de Tunis. C'est presque mon homonyme. Il a fait une très très belle canne. Oui. Je sais plus quoi vous dire, hein, au bout d'un moment. C'est terrible. L'inquiétude se lit sur les visages. Jean-Jacques Tizier face à Souleymanou. Jean-Jacques Tizier. S'il l'arrête, le Cameroun. Oh, il est mort pareil. Il l'a tiré pareil. Il le tire à ras de terre et ça passe. Et Drogba est heureux. Regardez, c'est le record du monde des tirs au but. Regardez ça comme c'est beau. Ils vont s'embrasser. Les deux partout. Gardiens. Ah, c'est des choses qu'il faut voir dans une vie, ça. 11 partout. Les deux gardiens qui se regardent. Il le tire presque arrêté, l'autre il va pas. Avec une facilité déconcertante. Comme à la romaine. C'est votre tour, Pierre Le Chantre. Oui, c'est mon tour. Bah, j'étais pas mal à l'époque. J'étais dans la liste du FC Sochaux quand j'étais footballeur. Il y a bien longtemps. Hein. J'ai même raté un tir. Alors on recommence, c'est dans le même angle, c'est Samuel Eto'o. Bah, je peux vous le donner. Hein. C'est Samuel Eto'o, Drogba, Jérémy, Kolo Touré, Atouba, Bakary Koné. Les gars, ça les arrange pas parce qu'ils l'avaient marqué, vous avez dit. Expliquez, je suis tranquille, oui. Voilà, j'ai fait mon et boulot. Non, le boulot de footballeur professionnel. Et maintenant, le souci, c'est de savoir si on tire dans le même coin. Eh oui, ça s'arrête pas, on se partout. Il y en a, je vous rappelle, il y en a, c'est phénoménal. On se pose un problème supplémentaire. C'est dire, je vais tirer de ce côté-là, est-ce que je change ou est-ce que je change pas? Samuel va pas changer. Samuel Eto'o qui le tire au-dessus. Samuel Eto'o qui le tire au-dessus. Il a voulu faire le... Samuel Eto'o a tiré au-dessus, si Didier Drogba marque, la Côte d'Ivoire est en demi-finale et le Cameroun serait encore éliminé. Et Samuel qui disait que Womé avait eu tort tirer ce pénalty contre l'Egypte. Il ne voulait pas y aller déjà face à l'Egypte. Et qui se retrouve dans le même désarroi. Exactement la même chose. Allez, un peu réconforté quand même par le capitaine Rigobert Song. Ouais, Rigo, tu fais bien ton boulot, c'est bien. Il n'y a pas de raison de l'accabler. Et il a pris ses responsabilités. Maintenant, Tizier, vous l'avez dit, a fait son travail, mais Souleymanou sait où tire.
Drogba, il le sait une première fois, mais il l'a vu deux fois tirer parce qu'il a marqué contre le Maroc. C'est son troisième pénalty de la CAN. Et regardez cette conclusion. On termine sur un duel Drogba-Eto, qui était au départ le but de ce match. Enfin, les deux meilleurs attaquants du monde. Regardez, ils ont encore à qui prie. C'était une des questions qu'on se posait. Quel serait le meilleur joueur de ce match et quel serait éventuellement le meilleur joueur de Coupe d'Afrique? Regardez ce feu rouge, ce feu rouge qui arrête pour l'instant le Cameroun. Didier Drogba, le joueur de Chelsea qui va qualifier la Côte d'Ivoire. Et c'est fait. Ça y est, c'est fait. La Côte d'Ivoire, je vous l'avais dit, Pierre, la Côte d'Ivoire. Désolé pour votre sélection. La Côte d'Ivoire est en demi-finale. Henri Michel, il reste un mondialiste. Il reste un entraîneur français qui peut encore espérer faire comme vous. Henri Michel est content. Gérard Gillet du Suillet aussi. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui passent. C'est terrible. On a une pensée pour tous les Camerounais. C'est dur pour votre ancien pays, Pierre. Mais je vous parlais de la compétence et de la change de Henri Michel. Et bien, une nouvelle fois, il a la baraque, Henri a fait ce qu'il fallait. Il a toujours très bien négocié ce match malgré tout. Ces 120 minutes ont été bien négociées parce qu'il savait que son équipe était peut-être inférieure. Mais le résultat est efficace. Ah, c'est terrible pour Samuel Eto'o, le Barcelonais qui marque en but. C'est terrible pour le Cameroun. Éliminé pour un tir au but de Wobé de la Coupe du Monde. Éliminé pour un tir au but. Également raté par Eto'o de la Coupe d'Afrique. Il y a des joies, il y a des larmes de joie, il y a des larmes de bonheur. Ce sera Nigeria-Côte d'Ivoire. Et ce sera en direct sur Eurosport. Allez, quelques instants de conclusion. On revoit ce tir au but vainqueur de Drogba. Eh bien, que les Camerounais se remettent au travail. Ils ont une équipe fabuleuse, ils ont des joueurs qui sont nés pour jouer au football. Et il faut vraiment que tout de suite on remette la situation à plat et on repart sur des bonnes bases pour que le Cameroun puisse encore faire parler de lui et de revenir la meilleure équipe africaine dans peu de temps. Didier Drogba a qualifié la Côte d'Ivoire. L'éléphant, le plus gros, le plus fort animal d'Afrique, continue sa route. Les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent espérer un deuxième sacre encore 14 ans après le stade de l'amitié à Dakar. Ce sera à la demi-finale Nigeria. Les deux demi-finales seront bien sûr en direct sur Eurosport. Merci Pierre, on s'est régalé. Merci, merci beaucoup à vous. Vous nous avez éclairé sur tous les joueurs camerounais. C'est sur ces images d'un Didier Drogba éléphant musculeux que l'on se quitte. Les éléphants continuent, les lions indomptables, morts de la poussière, ils sont éliminés. Ce sera donc Nigeria, Côte d'Ivoire. Au revoir. Au revoir, à bientôt.